Hop, et voilà, ça y est, on est live. Bon, bonsoir voilà. À tous. Coucou. Eh ben, on se retrouve donc pour une nouvelle enquête Sherlock Holmes Détective Conseil. Ce soir, c'est le mort mystérieux. Et on a un nouveau fin limier avec nous, qui se trouve en bas à droite sur l'écran. Gort, ça va Gort? Impeccable. Voilà. De retour. L'inspecteur Gort est de retour parmi nous. Donc ce soir, normalement, on devrait boucler ça en une heure, si tout va bien. Maintenant que Gort est là, il y en est cinq. Eh ouais, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. C'est la vraie muse de ce groupe. Excuse. Tu n'es pas entendu, tu disais? Je suis la vraie muse de ce groupe. C'est ça, oui la muse. C'est ça. Sinon, avec nous, il y a les Green, salut. Non, parle, arrête de faire le con. Hey, copie mes blagues foireuses. Salut tout le monde. Quel crétin. Quand la blague est bonne, moi je le fais. Ouais. Il y a Dédé, salut Dédé. Ouais, salut. Et Thomas qui est avec nous. Salut. Voilà, vous l'avez entendu, vous l'entendrez plus normalement de toute la soirée. Voilà, vous avez entendu Thomas, ça y est. Il ne peut pas taper plus vite que son ombre. Et puis, non, mais Thomas, il nous fait l'archiviste. Il nous trouve les adresses plus vite que son ombre. Jeu, c'est hyper important. Mais c'est vrai en plus. Donc ce soir, on a dit, on va se faire l'enquête qui est la cinquième affaire. Alors elles sont où mes affaires? Elles sont là. Et c'est donc le mort mystérieux. Le mort mystérieux. M-O-R-T. Voilà. Ah non, je crois que c'était... La morte. La morte mystérieuse. Voilà. Il y a beaucoup... Si, señor. Et donc avant, c'était quoi? Les mystères de Londres. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, c'est les mystères de l'Ouest. Après, je sais pas où est-ce qu'on va après. Le mort qui sait pas qu'il est mort. Donc le mec, apparemment, non, il sait pas qu'il est mort, mais nous, on va devoir sûrement deviner qui, que, quoi, comment, et tout ça. Donc, on va faire comme d'habitude, Allegrine. Je te cède la parole pour nous lire l'introduction. Et ben, ça se passe en le 5 mars 1889, pour info. Que cinquième affaire, le mort mystérieux. Il est encore très tôt le matin quand un message arrive nous demandant de rejoindre Holmes à la morgue de Saint-Barthélemy. Mettant un point d'honneur à renoncer à notre petit déjeuner, nous nous y rendons sur le champ. À l'hôpital, un jeune homme de service, prenant nos yeux gonflés de sommeil pour des yeux gonflés de chagrin, suppose que nous sommes venus identifier la dépouille d'un être cher. Ces marques de compassion sont tellement outrées que nous n'avons pas le cœur à le détromper. Nous traversons le couloir et nous nous dirigeons vers l'escalier pour descendre au sous-sol. Nous plongeons dans les profondeurs jusqu'à ce que nous nous trouvions dans une salle caverneuse, faiblement éclairée, avec trois longues rangées de tables de marbre occupées pour la plupart par des paquets recouverts de draps blancs, dont le contenu est à la fois évident et étrange. Au bout de la rangée centrale, luit une lanterne, faisant se détacher un groupe de silhouettes mouvantes rassemblées autour d'une des tables. Nous y allons sans bruit et prenons place tout autour, tel un cortège funèbre autour d'une tombe. Long et assez effilé, est entré à la base du cou, avec un mouvement vers le haut. T'as dit un couteau, c'est ça? Oui. Avec un mouvement vers le haut et a transpercé le cerveau, dit Sir Jasper Mix. Du travail d'expert, dirais-je. Il paraît bizarre que, dans un théâtre bondé, personne n'ait entendu de bruit suspect, dit l'inspecteur Lestrade. « Pas du tout, inspecteur, dit Watson. La mort a dû être instantanée. À vrai dire, il aurait pu n'y avoir aucun bruit suspect. » Regardant par-dessus l'épaule de Wiggins, nous apercevons le corps d'un homme âgé de 35 ans. Et bien qu'il soit difficile d'évaluer sa taille, car il est couché sur le ventre, nous estimons qu'il mesure environ 1m70. On pourrait dire qu'il est beau, mais ses traits n'ont rien de frappant. Seul surprend sa chevelure poil de carotte. Holmes montre main du mort. « Elles sont bien soignées, presque fines, dit-il, plus pour lui que pour quelqu'un d'autre. Et vous ne savez rien de lui ?»« Rien du tout, docteur Watson, répond Lestrade. « J'ai ses affaires dans une pièce à côté, dit Mix. » Tandis qu'un à un, nous nous éloignons,
Holmes remarque notre présence et nous explique que l'homme fut trouvé mort hier soir au théâtre d'Elephant and Castle. Il fut tué pendant la représentation et découvert plus tard par un huissier. L'huissier indiqua que le défunt avait occupé la même loge, seul, chaque soir pendant la semaine précédente. Une fois dans la pièce, Holmes porte son attention sur les affaires du mort posées sur la table. Il examine d'abord les vêtements. Il y a un manteau noir dont les rabats de poche sont garnis de velours, et un pantalon gris foncé à fines rayures noires. Une étiquette à l'intérieur du manteau indique « Poole and Fils ». C'est P-O-P-2-O-L-E. P-2-O-L-E, oui. Et Fils. Et Fils. Il était un peu gandin, remarque Wiggins, montrant le jabot et les manchettes de la chemise. Certainement, renchérit Watson en tripotant un melon très semblable à celui de Wiggins. Toutes les poches, comme vous tâtez, dit Sir Jasper. L'inventaire comprend 60 livres en billets, plus de la petite monnaie, un cigare, toujours dans son emballage de chez Simpson, une épingle de cravate en diamant, et les papiers suivants. Alors les papiers, on va les voir à l'écran. Oui. Je te laisse les donc, mettre. Ouais. Pour info, Allegrine, on t'entend pas bien, ça coupe assez souvent. Ah, mais... donc ouais. Tu vas dire à ton fils d'arrêter de télécharger des patchs pour je ne sais quel jeu. Ou à ta femme d'arrêter de regarder Netflix. Donc dans les poches, voilà, il y a les papiers qu'on voit actuellement à l'écran. Mm-hmm. Voilà, donc tu peux continuer, je pense. Holmes prend l'épingle de cravate en diamant et se dirige vers une vitrine. « C'est un vrai !» dit-il, montrant la rayure sur le verre. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écrie Wiggins. Il avait pris le melon et représentant une feuille de papier pliée qui se trouvait à l'intérieur, dans le ruban. « Excellent, Wiggins !» dit Holmes. « Voyons ce que vous avez trouvé là. Une fois le papier déplié et posé à plat sur la table, nous lisons 5889 et enfin, c'est... ce qui s'affiche actuellement. Ah oui, d'accord. Voilà. Voilà. Donc un truc d'accord. codé, visiblement. Un truc codé. Et voilà. Non, il semblerait, conclut Holmes, que nous ayons affaire à un garçon bien mystérieux. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Gardez-moi pour ma connexion. Pourquoi t'as dit stock ? Hein ? T'as dit stock ? Stock ? Pourquoi je dis ? Ouais, non, j'ai dit il semblerait, dit conclut Holmes, que nous ayons un garçon bien mystérieux. D'accord. Non. Okay. Donc en fait, qu'est-ce qu'on retient de ce garçon ? C'est qu'visiblement il est de la haute société. Mm-hmm. Ouais. Manifestement. Tout le monde est d'accord. Il est allé au niveau des adresses, il est allé toute la semaine au théâtre Elephant and Castle. Castle. Ok, il a un manteau avec une étiquette Poole et Fils. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait c'est avoir d'autre comme adresse. Il avait une épingle de cravate en diamant, donc on lui a pas fauché, donc c'est pas un crime. Ouais. En plus, son portefeuille, il y avait 70 livres, donc c'est pas crapuleux c'est non plus. C'est ça. Ouais. Donc, oui. C'est sans le... Puis en plus, par derrière, je pense, un coup de couteau, c'est qu'on voulait par vous derrière. En tuer. Par derrière, oui. Voilà, monsieur l'arbitre. Redis par derrière, qu'est-ce qui s'est passé par derrière ? Un coup de couteau dans la nuque. Bon, tu m'as fait peur. Coup de couteau voilà. dans quoi ? Dans la nuque. Ah, dans la nuque. Et il... D'accord. Voilà. Et il est dans la nuque, hein, avec un cul. D'accord. Oui. Ouais. Non, mais dans la nuque. Il disait, il y a un truc qui était remarquable, c'est qu'il était roux. Il est rouquin. Bah oui, c'est ça le pire. Ça va venir en mai, voilà. C'est donc c'est un crime anti-roux en fait. C'est Fred en fait, il aime bien les rousses mais pas les roux. Par contre, c'est un coup de couteau de bas en haut, donc quelqu'un de plus de petit que lui. Ouais mais attends, ça va pas ça la nuque de bas en haut. Bah bien sûr. Ah oui, il était derrière au-dessus, il était au-dessus de lui alors. Bah, pas forcément il plus était... petit que lui. De bas, non, de bas en haut. De bas en haut. Ouais, dans la dans nuque. La nuque, oui. Et ben, ouais, la nuque elle est derrière. Oui, ah, mais tu aurais plutôt planté de haut en bas. Sauf si t'es plus petit. Ah, non, mais c'est peut-être même de la même taille, de... tu fais comme ça.
Paf. Ben, s'il le précise, à mon avis, c'est pour te dire que c'est quelqu'un de plus petit. Parce que quelqu'un de plus grand, il fait comme ça. Quelqu'un, il fait comme ça, là ? Quelqu'un de plus grand, oui. Quelqu'un de plus petit, il fait comme ça. D'après ce qui a été dit également, c'est... ce qu'il voulait faire. Ben, le planter dans la nuque. Voilà, mais c'est quelqu'un qui connaissait ce qu'il faisait. Voilà, il voulait le planter dans le cerveau, manifestement. Voilà. Donc, planter dans le cerveau dans ce sens-là... Eh ben, c'est faut traverser la boîte crânienne. Voilà, pour taper dans la nuque, il faut le jouer. Pas la force qu'il faut, là. Si, si, on y a... Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible. Non, mais si tu tapes dans la nuque comme ça... Bon, tu peux péter les vertèbres, tu peux aller dans le cou. Bon, tu tues, mais c'est pas, tu tues pas pareil que... Bon, il s'est fait taper dans la nuque, le rouquin. après, on verra. Ouais, c'est vrai qu'il a dit que c'était un expert. Alors, au niveau des adresses, donc on a Théâtre Elephant and Castle. On a aussi l'hôtel Bridge House, puisqu'il avait une petite... Je vais le remontrer. Il a une note de l'hôtel. Il a passé une nuit à l'hôtel. Une chambre double. Pour les familles et les hommes, les commerciaux. Famille et commerciaux. C'est ça. Et une chambre double, ça veut dire plusieurs personnes, normalement. Ouais. Mm-hmm. Il y était le 3 mars, c'est-à-dire deux mois avant. Voilà. Ok. Non. Ben, on est en mai. On est en mars. Non, on est en mars. Deux jours avant. Deux jours avant. Il n'y a que sur la note où il y a écrit 5 mai. Ah oui, je me fie à la note. Ouais, Non. Il y a un truc qui ne va pas parce qu'il nous a dit que ça faisait une semaine qu'il allait à la représentation. Il dormait où avant? Non, il n'y avait pas un huissier qui allait dans la même loge que lui au cinéma, au théâtre, qui justement allait dans la même loge. Il n'y avait pas un truc comme ça? Non, il a dit que lui, il était toujours dans la même loge, mais c'est tout. D'accord. Oui, mais depuis une semaine. Depuis une semaine. Voilà. Oui. Ici indiquait que le défunt avait occupé chaque soir pendant la semaine précédente. Après, il a passé une nuit à l'hôtel. Ça n'empêche pas qu'il soit venu tous les soirs au théâtre. Il a passé, d'ailleurs, on ne sait même pas s'il a passé une nuit. Il a une note de cet hôtel pour une journée. Donc deux jours avant. Oui. D'accord. Deux jours avant. Allez. Et puis alors, il y a ce fameux papier là qu'on voit avec les... Alors, je parle pas du code. On verra après. Il faudra que quelqu'un se penche dessus, qu'on perde pas de temps. Mais... Oh bah, ça ressemble à un code César, ce machin-là. Un code César. Mm-hmm. Là, il faut le décoder en bouffant de la salade. Ouais. Donc, je vais essayer, je vais m'en occuper, je vais essayer de le décoder. Un code César. C'est-à-dire, tu changes les lettres d'une lettre ou de deux lettres ou de trois lettres ou de quatre lettres. Alors, ça, honnêtement, on pourrait le faire... en essayant toutes les lettres, il y a des trucs sur Internet qui te permettent de faire un code César avec toutes les lettres. Donc je vais essayer. Déjà, tu peux dire que le Y, c'est un L, à mon avis. Ou un A. Ou un A. Je vais essayer. Alors, je vais taper Y-E-R-K-I. Ah, ouais, peut-être pas sûr. C'est ça que je cherchais. Sur... Bon, attendez, on va pas commencer à partir dans tous les sens. Merde. Par rapport à l'autre papier, là, celui du milieu, là, celui où il y a des... Qu'est-ce que ça vous fait dire, ça? Ça serait des adresses, ça, non? Waterloo, tiens. Non, c'est pas des... Ça, c'est quoi, non, c'est des rues, c'est des rues, ça. Oui, des adresses, quoi. Ouais. Non À quoi ça vous fait penser? Des rues, ou... Des rues, des places, des... Parce qu'il y a un truc qui revient, le G. Le G, après, il y a des lettres qui sont en majuscules. Le D, le D. G, D, S, C, D, G. Ouais. C'est peut-être un code, là aussi. C'est-à-dire qu'il y a le nom d'une personne avec une adresse. Tu vois, par exemple, Gérard, rue, Borough, un truc comme ça. Bon, on va pas commencer à s'éparpiller. À tout seigneur, tout honneur, Gort, tu viens d'arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Première piste, on suit quoi? Première piste, on pourrait faire un petit tour au théâtre, voir si quelqu'un a vu un roux particulièrement bien soigné, est-ce qu'il était approché, est-ce qu'il rencontrait du monde, etc. Donc au théâtre, c'est là où il a été découvert, on est d'accord. Sinon, il y a une autre piste aussi. Alors, déjà, c'est Poulet-Fils. Poulet-Fils, c'est apparemment celui qui a fait ses vêtements, apparemment. Oui, c'est ça. C'est du sur mesure, peut-être certainement il l'a rencontré. Alors, tu choisis, tu nous dis quelle piste tu veux qu'on suive. J'ai déjà un ange, arme, une. Non, alors, et donc c'est bon, je l'ai. Dis à ta femme de couper Netflix tout de suite maintenant. Ah,
Non, mais pourtant, j'ai super bon, moi, la connexion. Vas-y, redis, parce que... J'ai, en traduisant le début, c'est un ange arme une hache. D'accord. Et ça, tu l'as fait en décalant comment ? Vas-y, explique-nous quand même. De quatre lettres. D'accord. Tu continues ? Bah, comme ça, on va l'avoir. Ok. Bah oui, je vais le faire. Très bien. Super, ouais. Je sens que ça va être vite torché. Alors, on a dit le théâtre. Le théâtre, comment il s'appelle ? Le couturier. Oui, mais tu préfères quoi ? On doit suivre une piste, là. Allez, le couturier. Putain, le chien, je suis en train de chercher le théâtre. Comment il s'appelle, le couturier ? Poulet fils. Poulet fils. Poulet frites. Alors, poulet frites. C'est où, ça ? C'est Poulet Compagnie, non, en fait ? Ouais, 10 CE. Ouais, 10 CE. Bon, je vais vous le faire, puisque monsieur est occupé à décoder. Ça risque pas. C'est la règle du jeu. 10 CE. J'espère que c'est pas trop long. Ah putain, mais c'est très très court, en fait. Hein. Ouais. Il doit y avoir 6 pages de pistes, pas plus. 10 CE. Alors, 10 CE. On y va. Lorsque nous décrivons l'homme et le costume qu'il portait, signalant que l'étiquette indiquait poulet fils, l'expression de l'employé passe de la perplexité à un renfrognement très net. Je tire. Quoi ? Non, j'ai habitué des jeux de rôle. Il tire. Ah, tu tires, pardon. Poule et fils, dites-vous, c'est exact. Poule, je tire. Ah oui, poule, d'accord. Merde. Le problème, c'est on que. On peut arriver, les mecs. Le problème, c'est que poule et fils, je vais le répéter 5 ou 6 fois, donc là, on va perdre un temps. C'est en temps limité, hein. Alors, poule et fils, dites-vous. C'est exact, poule et fils. Vous êtes certain que c'était poule et fils ? Oui, nous en sommes certains. Il nous fait signe de le suivre au dehors de la porte d'entrée. Une fois à l'extérieur, il nous montre l'enseigne au-dessus du magasin. Que lisez-vous ? Poule et compagnie. Très bien. Et compagnie, pas et fils. Pas étonnant que je n'ai reconnu ni l'homme ni le costume. Vous devez lire ce qui est écrit sous vos yeux. Comme cela, vous éviterez de faire perdre du temps et de l'énergie à tout le monde. Avec un grognement, il rentre dans le magasin au pas de charge. Wiggins, merci qui n'aime... Pardon ? Merci, Gort. Oui, non, mais attends, il y a peut-être un magasin poule et fils aussi, non ? Ouais, il y a peut-être quelque chose. Wiggins, qui n'aime pas qu'on le prenne pour un imbécile, cherche des yeux une brique qu'il pourrait lancer dans la vitrine. Ok, alors, soit on s'est planté d'endroit, c'est possible. Mais sur le plat, c'est pas un hôtel ? Sur le plan ? Le 10, ouais. C'est-à-dire ? Moi, je vois hôtel, métropo, quelque chose comme ça, là. Hein ? Le 10, même 10, c'est eux, c'est pas un hôtel ? Non. T'as le bon numéro, là, t'es sûr ? Oui. Ouais. Bah, vu ce que j'ai lu, ça paraît collé, quand même. Sauf que, en fait, le truc, dans l'annuaire, il y a poule et compagnie, il n'y a pas poule et fils. Par contre, il y a posterne et fils, mais ça marche pas. Fais voir. Tailleur ou couturier ? À voir. Thomas ? Est-ce que ça existe, ça ? Non, il y a Poul, Richard Poul, mais bon, je sais pas ça. Poul, on a un Richard Poul aussi ? Ouais. On peut essayer, dans partie, hein. Dans la partie annuaire. Ouais. Il est à 56 CO. Ah, c'est peut-être un couturier qui a pris sa retraite. Ou c'est possible. 56 CO, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir ? Je vois. Du Gort. On va voir, on change de piste. Ouais, évidemment, on t'en creusé jusqu'au bout. 56 CO. Ça veut rien dire, le truc, hein. Ça veut rien dire, parce que tu t'as traduit n'importe quoi. Non, il y a écrit un ange arme une oreille, il prie grand lisse. Attends. Voilà, franchement. Vous m'entendez pas. Ouais, très mal. Redis bien lentement. Alors, un ange arme une dorée, il prie. Quoi, dorée grand... Oui, dorée. Une gorée ou... Il prie grand lisse, voilà York, ou Kali, est désespéré. Tant Chris au Raja, lequel. Alors, par contre, il y a des majuscules. Vous m'entendez pas ? Oui. Par contre, il y a des majuscules. Donc, je vais essayer de ne mettre que les majuscules. Traduire. Attends, on va terminer tes phrases. Tu vas, cul. Putain. Bon, moi je pense que ton fils est en train de jouer online sans te le dire. Là. Attends, je me déconnecte et je me reconnecte.
Apparemment, c'est ah, pas si enfin entre nous. Ah, ah merde, il revient. C'est mieux là. Oh, ouais. Vas-y, parle un peu pour voir. Je parle. Je sais pas, un ange. Oui, c'est mieux. Nuage. C'est mieux. Ok. Bon, je vais réessayer. Hein. Je vous laisse couler et puis je continue de. C'était mieux. De traduire. Bon, la piste du tailleur, ça marche pas visiblement. Qu'est-ce que. Alors, par contre, sur le journal, j'ai vu qu'il y a élection à la Ligue des Rouquins. Ah putain, c'est vrai que le journal, on l'a oublié. Annuel de la Ligue des Rouquins, Thurston Ramdell a été élu président par l'ensemble des sociétaires. Il succède à Fergus Bagnell, président en poste depuis plus de 7 ans. C'est vrai qu'on n'a pas son nom, ce mec-là, en fait. Non, on n'a pas d'identité. C'est quelle page, vas-y, tu l'as trouvé où, ça 5 mars 1889, numéro 32-138. Oui. C'est celle qui commence avec bateau départ, emploi, commerce. D'accord, et c'est à quel endroit du truc? En bas, à droite. Élection à la Ligue des Rouquins, on est d'accord. Il y a un article. Oui. Il y a un article, là, d'une mort découverte au théâtre. Une mort découverte au théâtre, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, mais ça redit ce qu'on a dit, sauf qu'il parle de Luchier, quoi. Ouais. Bon, on a exploré la piste du tailleur. Ça n'a rien donné. On n'a pas été voir le monsieur Toul qu'on avait dans l'annuaire, c'est ça? Non, on n'est pas allé le voir. Alors, mais on y va ou pas? Oui, mais je suis allé voir et en fait, il n'est pas dans le livre. Donc, il n'existe pas dans cette enquête. Donc après, il y a le théâtre où il y a Thurston Ramdell qui a été élu président de la Ligue des Rouquins. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander... On va demander à Dédé où est-ce qu'il veut aller. Parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on choisit... Moi, je veux aller sur le lieu du crime, le théâtre. Tu veux aller au théâtre? Ok. Ouais. Alors, il est où, ce théâtre? Non, ça veut rien dire. À Londres. Elephant and Castle. Je suis pas un animal, je suis un être humain. 13 SE. Elephant Man. Tu dis 13 SE. 13 SE. Touché, coulé. Bon, je vais le lire aussi, celui-là. Donc, le seul renseignement qui ressorte de notre entretien avec le directeur du théâtre Elephant and Castle et l'huissier qui découvrit le corps est que 5 soirs de suite, le rouquin vint au théâtre avec des fleurs. Bon, il y a une femme là-dessous. Il pense que nous ferions mieux d'interroger le portier des coulisses, suggère Wiggins. Ralph Parrish est plus que désireux de nous aider, mais ne peut nous fournir aucun renseignement précis. Il y a des tas de messieurs qui apportent des fleurs en coulisses, mais je ne me souviens pas d'un rouquin. Ils n'enlèvent pas leur chapeau quand ils me voient, vous savez. Et ça s'arrête là. Donc, ils venaient apporter des fleurs tous les jours. Donc, ouais. Il n'y a pas un article sur la pièce qui se joue avec un nom d'acteur, là, quelque part? Je suis en train de lire le journal, je cherche. Elephant and Castle. Bunty et Clyde prolongeront leur spectacle à l'Elephant et Castle. Ouais. Célèbre chant de danse. Il est où l'hôtel, s'il te plaît? Tu peux me rappeler? Ah, Miss Minnie Cavill, venez écouter l'événement lyrique de Londres chaque soir à l'Elephant and Castle. Ça me dit bien, moi. Je sais pas si ça vous dit, vous, mais... 13 SE, début. L'hôtel? 13 SE. SE, d'accord, merci. Ouais, l'hôtel, on pourra y aller, mais est-ce que ça vous dit pas qu'on aille voir la nana, là? Miss Minnie Cavill. Ouais. Qui ça, chante tous les soirs à l'Elephant and Castle. Est-ce qu'elle est dans l'annuaire, cette fille? Miss Cavill. Comment elle s'appelle, mais... Cavill. Ouais, c'est pas mal, ça, c'est une piste. Cavill Mini, ouais, 11 SE. Bon. Ah, c'est pas loin de l'hôtel, hein. Ouais. 13 SE et 11 SE. Ah ouais? Beaucoup trop proche. Ouais. Beaucoup trop proche. Ouais. Ah, ça sent bon. Bah, ouais. Ou pas. Comment tu dis? 13 SE. 11 SE. Ok. Et Allegrin, il est toujours avec nous ou il déconne? Il joue à la statue. Allegrin, t'en es où? D'accord. Voilà. Au revoir. Ça, c'est fait. Putain, le mec, le lâcheur, t'as vu? Il voit qu'on n'avance pas, il fout le camp, lui. Bon, allez, je vais vous le lire. Minnie Cavill, belle et charmante jeune dame, est plus que coquette. Donc déjà, hein, ce serait normal qu'ils viennent avec des fleurs. Ouais. En réponse à nos questions sur le rouquin, ils insistent vachement sur le rouquin. Moi, je pense que Gort, il a raison. Ouais. L'histoire des rouquins, il va falloir peut-être aller voir un peu. Hein.
En réponse à nos questions sur le rouquin, elle basse de ses longs cils et rit timidement. Je connais beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes me font livrer des fleurs à ma loge, mais non, je ne me souviens pas d'un homme aux cheveux roux. Tout en parlant, elle joue avec un petit pendentif en diamant qu'elle porte autour du cou. Elle continue à énumérer les risques encourus par une jeune actrice, comme elle se nomme elle-même, eu égard aux attentions de l'autre sexe. Pendant son monologue, Wiggins attire notre attention et d'un mouvement de tête nous désigne la photographie encadrée d'un type corpulent, coiffé d'un chapeau melon. Son visage est loin d'être aimable, le sourire à peine visible sous l'épaisse moustache étant plus menaçant qu'amical. Qui est cet homme sur la photographie ? C'est Roger, mon petit ami. Il faut vraiment que je me prépare, dit-elle en mettant soudain fin à notre entretien. Je suis invité à souper au Globe. Je vous en prie, venez m'écouter chanter au théâtre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle se rappelle pas de lui. Ouais. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Alors, sur le journal, mis à part les rouquins, il y a deux choses qui sont assez marrantes. Il y a « Livre de récompense perdu le 1er 10 mars à Portman Rooms pour une broche en diamant composée d'un gros diamant sur une monture émaillée bleue. Quiconque rapportera le même aux deux barons Courtenas, Wens, Kiston recevra la récompense. » Donc, il n'y avait pas une broche, lui, avec... Oui, il avait une épingle à cravate. Une épingle à cravate. Pas la même chose. C'est pas ça. Et puis, il y a Hermann Max Carso, dont on ne sait s'il est vivant ou décédé, ou ses descendants sont, par la présente annonce, invités par les sous-signés à se présenter munis d'un certificat de filiation ou d'une attestation du consulat général d'Allemagne le 1er jour plus tard, à défaut de quoi le dernier testament de Frau Rosalie Carso, née Fischer, sera exécuté. Ad Hugo Fischer, exécuteur testamentaire. Donc, et pourquoi tu le relis hein. On ne sait pas du tout s'il est vivant ou mort à se joindre pour un testament. Pourquoi pas ? D'accord. C'est juste le fait qu'on ne sache pas où est ce mec, en fait, qui te fait le relier, d'accord. Voilà. Mais bon, autant suivre les rouquins, ça sera peut-être plus parlant. Par avant les rouquins, on va faire Dédé à parler de l'hôtel. On va peut-être aller faire un tour à l'hôtel, quand même. Ouais. Elle paraît plus évidente, cette piste-là. Je ne suivais pas, vous y êtes allé à l'Elephant and Castle ? Alors, on est allé à l'Elephant and Castle et on nous a pas dit grand-chose, si ce n'est que il y a beaucoup de mecs qui venaient porter des fleurs en coulisses. Lui, il avait un bouquet de fleurs. Donc, en regardant dans le journal, on a vu qu'il y avait une actrice qui se produit tous les soirs. Donc, on est allé à son adresse et elle dit qu'elle ne se rappelle pas d'un rouquin qui est venu lui porter des fleurs. Il y a un célèbre chant d'Australie. Pardon ? L'Elephant and Castle ? Oui, ouais. La chanteuse, je sais pas quoi, là, Mini Cavill. Mais non, moi j'ai Bounty and Clyde. Oui, c'est dessous. Leur spectacle à l'éléphant. Ouais, c'est oui, mais c'est dessous. Ah, oui, Mini Cavill, ok, d'accord. C'est dessous. Alors après, Bounty and Clyde, on peut aussi aller voir, mais s'ils viennent d'Australie, ils seront pas à Londres. Hein. Ça m'étonnerait qu'on les trouve dans Londres. Okay. D'accord. Allez-y, coup. Donc on va à l'hôtel, c'est ça ? Ouais, c'est pas mal d'aller faire un tour à l'hôtel. Ouais. Alors l'hôtel, c'est quoi ? Comment il s'appelle ? Bridge House, c'est le 3SE. 3SE. Et après, au niveau des pistes, on va être malin si on n'a rien d'autre là, parce que... Putain, c'est court aussi, ça. Alors, à l'hôtel Bridge House, nous parlons au réceptionniste. Il se souvient d'un homme aux cheveux roux. Ah ben, enfin. Mmh. Alors, il vint le matin du 3 pour réserver une chambre et dit que lui et sa femme passeraient la soirée en ville et désiraient rester ici pour une nuit. Il feuillette les pages du registre pour trouver celle du 3. Il réserva au nom de Mr. and Mrs. Donald. Qui était à la réception lorsqu'il s'inscrivit ? Moi, tout à fait par hasard, l'employé de nuit était malade, et je dus assurer les deux services. Pouvez-vous nous décrire Mrs. Donald ? Elle était jeune et belle, et disons folâtre. Elle me montra un pendentif qu'elle portait, et me demanda si je ne trouvais pas que c'était la plus belle chose qu'il m'eût été donné de voir. C'est donc ça il peut venait... être la minette. Oui. Ils venaient folâtrer là tous les deux là, douce à la chambre. Ça peut être ça. Alors dans ce cas, le fameux Roger là dont elle parlait pourrait avoir son importance, qui est soi-disant son mec. Ça la jalousie. Bah, ça paraît simple, mais pourquoi pas. Où est-ce qu'elle était ? C'était quoi son adresse à elle ? 11 SE. Ouais. 11 SE. Elle donne pas son nom, merde. C'est Roger, il s'appelle Roger. Roger. Ok, pour l'instant on a que ça comme piste. Hein. Une piste d'un mec qui venait tous les soirs au théâtre avec le bouquet, donc il pouvait potentiellement être amoureux de l'actrice, et qui s'est fait tuer
dans la loge. Par son mec. Potentiellement. Potentiellement. Ouais, mais c'est un expert quand même dans le meurtre. Bah, c'est ça veut dire. Pourquoi un expert? Ben, il a dit, dans la façon dont il a été assassiné, il a dit, c'est certainement du travail d'expert. Ouais, non, alors, instantané. Expert, ça peut être un médecin. Aussi. Un médecin, militaire. Ouais. Médecin, ouais, c'est vrai. T'en es où du décodage, Allegrine, là, parce qu'on te file des trucs à faire. Bon. Et... J'ai fini, mais ça veut rien dire. Hein. Alors, vas-y. Vas-y, dis. Ben, je te dis, c'est un ange arme une hache dorée. Vous m'entendez bien, là? Oui. Oui, oui. Il prit grand lys, voilà York, où Kali est désespéré, tant Chris, ô Raja, lequel cherchais-tu, vizir? J'aboyais entendu, dès l'homme, aurier, clown, éperdu, pas cher, entra, doc, bonne décision, fin, rappel, équipe, trouve, avec une épée, la vengeance ne devra point, celui qui cherche sait déjà. Il faut sauter des mots là, il y a des mots à virer dans là-dedans. Ouais, c'est un texte encore à coder là. C'est un double codage. Coder, mais, ouais, bon, en tout cas, c'est a priori c'est ça, parce que là, ça traduit, c'est que des mots qui existent. Alors par contre, ça fait appel à quoi ça? Il y a pas mal de trucs qui sont en rapport avec l'Inde ou avec quoi là? Ouais, il y a pas mal, il y a Kali, il y a les Chris, oui. Ja. Dans le journal, on a quelque chose qui a un rapport avec l'Inde? Et en regardant que les mots avec la majuscule. Alors, un arme, une hache dorée, rang lisse, voilà, ou désespéré, dans ouais. Chris, ça veut rien dire non. Et t'as remarqué, enfin oui, t'as forcément remarqué que ils sont, les lettres, c'est pas tous les mêmes, c'est pas la même police. Ouais. Non, mais ouais, c'est, je l'ai mis avec les majuscules, hein. Ouais, mais même, tu remarqueras, outre les... Ah ouais, c'est pas qu'une question de majuscule, parce que tu vois, par exemple, les H, souvent les H, ils sont écrits... Ah, moi, c'est kiff-kiff. Non, prends le 1, 2, 3, 4, 5, 6e mot, le 6e mot, le H, il a pas la même police, il est plus en... Les autres sont en gras, et lui, non. Il est plus fin, ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a du gras et du léger. Ah, ou alors, ils l'ont changé dans ta version. Ouais, toi. Bah, là, je te le montre à l'écran. D'accord. Bon, ils l'ont peut-être changé, ce qui veut dire que ça n'a pas d'importance, ok. Si tu prends les lettres en majuscule de l'autre mot, là, et que tu cherches avec d'autres textes, ça te donne rien. Avec l'autre mot C'est le truc au milieu, là, avec, entre la représentation de théâtre et... Avec l'autre mot... Tu sais où il y a des mots, là. Ah oui, j'ai bon aïe... Ouais, ça. J'ai bon, pas de G majuscule ou quoi que ce soit. Putain, mais ça, c'est vrai que ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire, ce truc? Mais ça ressemble quand même à une histoire d'espionnage, quand même. Parce que... un texte codé, un assassinat de professionnel... C'est possible. Peut-être aller voir le gros niqueur mondain aussi, parce que si c'est l'histoire de la haute... Oui. C'est... Ben, de toute façon, là, il va falloir qu'on aille voir des gens, hein, parce qu'on a, ouais. On a un petit peu éclusé. Faut qu'on lise mieux le journal, je pense. Alors, je vous ai filé que celui-là de journal, que celui du 5 mars. Et bien sûr, il y a tous les journaux antérieurs, mais... Antérieurs, oui. Mais alors là, s'il faut se taper journaux antérieurs, on est dans la merde. Hein. Ouais. Bon, je vais jeter un œil. Continuez, je vais jeter un œil aux journaux. Vous voyez ce que vous voulez faire. Là, je suis en train, mais sinon, il y a aussi la piste des réunions des roues, là, qu'on n'a pas fait. Ah oui, le roue, là, ouais. Élection à la Ligue des Rouquins, avec Thurston Randell et Fergus Bagnell. Bon, alors, faut voir s'ils sont dans l'annuaire. Thurston Randell. Au moins, essayer d'avoir un nom. Et au fait, à l'hôtel, on n'a pas eu le nom de la personne qui a loué la chambre. Si, Donald, Donald, monsieur et madame Donald. Ouais. Mais ça m'étonnerait que ça soit leur vrai nom. C'est un pseudo, ouais. C'est un faux nom, ça. Mmh. Ils auraient dit Mickey chez Bipang. Voilà, c'est ça. Thurston Ramsdell, c'est 14E. Et. Il y a le Ralph Parrish, là aussi. C'était qui, ça, au théâtre? Vous avez vu Ralph. Là, ça craint, là. Ça va faire comme la dernière fois.
Daniel, qu'est-ce qu'il en dit? Si vous voulez, sur le Discord, je vous mets toutes les lettres majuscules en message. Ben, pour les autres, alors moi je peux pas y toucher, mais. Ouais. Pour les autres. Ouais. La suite de lettres majuscules. Ouais, d'accord. Ah, et puis le bord, là, il fumait des cigares Simpson, alors je sais pas si ça peut avoir une importance. C'est une marque de luxe, ils ont peut-être peu de clients. Donc, Les cigares, ouais, il y a la marque de cigares aussi, c'est vrai. Ouais. Il y a les cigares, il y a les rouquins, il y a. Qu'est-ce qu'il pourrait identifier encore? Vas-y, alors les rouquins, ça serait quoi, par exemple? On va commencer par les rouquins, et puis après je vais voir les journaux. Pardon, excuse. Ça, Ralph Thurston, c'est 14. Et l'autre, il y est pas? Ceci, 20S. Après, l'année. C'est l'histoire de Jean. De quoi? La Ligue des Rouquins, c'est une vraie histoire de Sherlock Holmes. Hein. Oui, mais ça n'empêche pas que. Oui. Combien tu dis? 14 SE? Oui. 14 E. 14 E. Il n'y est pas. Et l'autre? Ouais. Et l'autre, attends, je cherche. C'était une histoire où. D'ailleurs, avec Moriarty. Ah, ben, les mâles. La Ligue 1. C'est ça qu'on comprend rien. Ouais, c'est une des très bonnes histoires de Sherlock Holmes d'ailleurs. 39S. Non, mais il n'y a pas, il n'y a que des SE, SO, il n'y a pas. D'accord. Bon, voilà, alors, c'est pas la peine. Sam Randell et Fergus Bagnell, c'est foutu. Oui, ça marche pas. Il a raison, Allegrin, c'est plus un clin d'œil, je pense, à la Ligue des Rouquins. Il y a notre clin d'œil parce qu'il y a aussi l'annonce du mariage de Watson. C'est vrai? Ouais. Dans les mariages sur le journal, on annonce le mariage du vendredi 1er mars de l'église Saint-Hilda Camberwell de Miss Marie Morstan, fille du feu capitaine Arthur Morstan, du 3e régiment d'infanterie de Bombay et de John H. Wasson, docteur en médecine domicilio de 121 ans. Bah, cela dit, et avec quelqu'un, tu peux toujours aller voir l'indique de Moriarty. Hein. Ouais. Bon, décidez-vous pour un truc. Pendant ce temps-là, je regarde les journaux vite fait, moi. Mais c'est à qui? C'est à Thomas à choisir, non? Ouais, c'est Thomas qui va choisir ce qu'on fait. J'aimerais bien voir comme au fumoir là. Fin... Ouais, le fumoir c'est une bonne idée. Ouais. C'est où le fumoir là? Allez, Green, tu le lis le truc? Je suis en train de regarder le journal. C'est moi. Combien? 20 CO. Bah, si on m'entend bien. On t'entend moyen. C'est toujours pas le cas. Ah merde. En fait, t'as une bonne connexion entre ton ordi et ton casque. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a écrit vidéo connectée, super. Je sais pas. Information, toc-toc. Ah, ouais, il y a un truc après qu'on peut chercher, c'est les rues là par rapport au mall. Ouais, ça peut faire quelque chose sur le plan, ouais, alors, mais. 20 CO, ça n'existe pas, 20 CO. Voilà, bon, eh ben, ça c'est réglé. Attends, si ça existe, c'est que ah. Non, c'était la page d'avant. Alors, la description de notre inconnu éveille un écho chez un vieil escroc qui surprend notre station à l'heure du fumoir Simpson. Et je crois que je connais le type. Cela fait plusieurs semaines, tous les après-midi vers 2h. J'ai joué aux échecs avec lui. Un assez bon joueur. Pouvez-vous nous dire son nom? Vous savez, je ne crois pas qu'il me l'ait jamais donné. Un jour, je lui ai demandé d'où il venait. Son accent, quoique léger, était très étrange. Il dit que l'Écosse était le berceau de sa famille. Cela nous conduisit à une discussion sur la généalogie, les ascendants célèbres, ainsi de suite. Que certains de ses ancêtres avaient émigré en France et qu'il portait le même nom que l'un des maréchaux de Napoléon. Je lui demandais quel maréchal. A-t-il fait allusion à quelque sujet de lui-même, au nom d'un ami, à un endroit où il avait été, n'importe quoi? Chaque après-midi, à 16h45 précise, il mettait fin à notre partie. Il disait qu'il avait un rendez-vous urgent. Mais jamais il ne donna de précision, j'en ai peur. Ah, c'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. Ah ouais, attends, c'est intéressant, mais ça laisse penser qu'il serait français, quoi. Qu'il a un nom français. Il a un nom français, mais... Il dit mes ancêtres ont émigré en France. Donc... Il a un maréchal de Napoléon. C'est des Écossais qui ont émigré en France. Alors, dans le journal, est-ce qu'on a un nom français quelque part d'un maréchal napoléonien? Encore une histoire autour de Napoléon, hein, ça rappelle... Bah oui, parce que c'est...
Il y a Waterloo d'ailleurs dans une des notes là. Ouais, il y a. Il y a Waterloo. Il y a Villiers dans les mots là. Villiers. Oui, aussi, ouais. Villiers, c'était pas un maréchal. Enfin, cela dit, le McDonald, c'était un des généraux de Napoléon, hein. Ouais. De Ronald. On marque les deux Villiers, c'est une famille de militaires. Hein. C'est possible, parce que regarde, les deux Villiers, c'est une famille McDonald, c'est un généraux de Napoléon. Un général de Napoléon, oui, McDonald. Ah bah alors donc, ça serait son vrai nom, mec, alors. C'est un des boulevards des Marais. C'est chaud, hein. McDonald, inspecteur. Oui. On a un inspecteur McDonald dans la... Ouais. Dans le Botin, il est au 1 Nord-Ouest. Un inspecteur, Lestrade, il l'aura reconnu, non? Oui, a priori, on peut se dire ça. Et puis s'il n'est pas anglais, ça m'étonnerait qu'il soit inspecteur aussi, mais... Aussi. Il avait un accent étrange, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est... Il met que l'Écosse est le berceau de sa famille. S'il est français, c'est peut-être une famille... Il a dit une famille d'Écossais qui a immigré en France. Donald, très écossais, hein. Oui, oui. McVilly. On y va au Nord-Ouest quand même, voir McDonald's. Alors c'est parti. Nous sonnons chez l'inspecteur McDonald. Ce dernier, un grand gaillard aux yeux bleus et aux cheveux châtains, vient nous ouvrir. Lorsque nous lui demandons s'il y a des rouquins dans sa famille, il secoue la tête avec la plus vive énergie. Désolé messieurs, le dernier McDonald roux que je connaisse, c'était mon grand-père et il est mort en Irlande il y a plus de 10 ans. Ok. Ok. Ça, voilà. C'est fait. Ouais, mais il s'appelle quand même peut-être McDonald's, hein. Ouais. Est-ce qu'on dirait savoir le mec qui bosse avec Moriarty? Vous voulez aller voir le mec qui bosse avec Moriarty? Fred Porlock. Ouais, Fred Porlock, là. Ouais. Après, dans le boutin, il y a un Donald aussi. Il y a Donald, Houlahan et compagnie. C'est 54 Est. Est n'existe pas. Quoi? Est, ça n'existe pas. Ça n'existe juste pas. Est. C'est exact. Ouais. Donc lui, il marche pas. Alors le mec de Moriarty, c'est quoi déjà lui? C'est 18 Nord-Ouest, c'est ça? Ouais. 18 Nord-Ouest. Il y est. Mais alors, on va pas apprendre grand-chose, je pense, hein. Alors, on est d'accord, c'est bien ça que je me plante pas, hein, 18 Nord-Ouest. Hein. Ouais, 18 anneaux. Sam Parson nous tend un coffre-fort miniature avec une petite serrure à combinaison qui fonctionne réellement et un billet qui l'accompagne. Il m'a dit qu'il faut aller dessous pour l'ouvrir, ajoute Sam d'un air mystérieux. Bon bah alors, on apprend rien. Quoi? Du facho, ouais. Attends, mais je comprends pas du tout, là. 18 Nord-Ouest, pourtant c'est ça. Sam Parsons, mais c'est quoi cette connerie? C'est pas ça le mec normalement. Ça vient foutre ça. Ouais, je comprends pas. Bon. Pourquoi vous êtes parti sur ça là en fait? Parce qu'à cause de la Ligue des Rouquins qui a rapport avec Moriarty, donc voilà. Mais bon, voilà, c'est un peu de la merde. On va regarder, je vais continuer à regarder le journal, moi, les anciens journaux. Après, dans les journaux, il y a pour les passionnés de cartes et d'échecs, toilé, 8 shillings, jeu moderne qui retrace l'attrait des gens suivis pour les jeux. Le Nora P. Johnson. Ah oui, il joue aux échecs, ouais, peut-être que. C'est jamais. Ouais, bien vu. Attends. De toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, ça sert à rien de remonter trop loin là. Non, ouais, en fait, je pense que les anciens journaux, ça sert trop à rien parce qu'en fait, on remonte très très loin quoi. Le journal précédent, c'est le 17 août 1888, donc on est le 5 mars, c'est presque un an avant. On est le 5 mars 1889, je pense qu'ils servent à rien les journaux précédents, ou alors il y a vraiment un coup de pute quoi. Il n'y a pas l'ambassade sauter pour aller voir si c'est un français, peut-être qu'ils savent quelque chose. L'ambassade de France? Ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi déjà? On l'avait déjà visité, non, il me semble. Dans une autre enquête. L'ambassade de France, c'est tout.
59 SO. SO ! Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Putain. Bon, il y a un... Bon. Alors, là, il y a un problème, parce que là, on est en train de caler complètement, et on a bien avancé quand même au niveau du temps, donc il faut faire gaffe. Alors, on a mort, 34, 35, 1m70, avec un truc marqué « poule et fils » qui n'existe pas, où il s'est fait tailler un costard. Ouais. En plus, il y a marqué « et fils », donc c'est, ça aurait pu nous dire qu'il était français, en effet. À moins que ça soit la traduction. Si c'est le costard français, c'est pour ça qu'on peut... Ah ouais, mais ceci dit, non, parce que vu comment c'est écrit « poule », ça marche pas, ouais, parce poule, que c'est ouais. P-O-O-L-E. Mm-hmm. Ensuite, on sait qu'il allait certainement voir la petite chanteuse. Hein, a priori. Ouais. Qu'elle avait un copain qui s'appelait Roger, qu'on n'a pas de pis sur ce Roger. On n'a rien aucune. Sur... En fait, elle a menti aussi, elle a dit qu'elle ne le connaissait pas, alors qu'elle le connaît très bien, en fait. Apparemment, elle était connue à l'hôtel. Ouais. Apparemment. Si on allait voir... Qui après, il y a des masseuses, il y a un article pour des masseuses qui sont l'air bien. Menez l'enquête jusqu'au bout. On peut essayer d'aller voir. À mon avis, là, dans l'inspu, parce qu'il faut aller voir du côté du peut-être du décodage. Là, de... Alors, il y a le décodage, mais on a tout un tas d'informateurs aussi. Il faudrait peut-être et notamment essayer peut-être Waterloo Bridge. D'aller voir Quentin Ogle. Journaliste aux Police Gazette, toute source d'information pour les affaires criminelles. Mmh. Non ? Ah, t'as vu le truc là ? Dans la liste de mots, t'as Waterloo Pont et il y a Waterloo Bridge, le pont de Waterloo en fait. Mmh. Ouais. Donc il y a Waterloo Pont. Blablabla. Et si on retraçait un peu ce qui est marqué, est-ce que c'est pas un itinéraire ? Ouais, c'est pas con. À gauche, à Borough Heights, à droite, à Borough Heights, Swigro. Ah, c'est pas con ça. C'est pas con. Alors, Borough Heights, ça serait où ça ? Toi, t'as pas le plan, Gort ? Non. Ah, quelqu'un peut lui essayer de lui poster. Tiens, Dédé, t'as le fichier du plan, poste-lui sur le Discord. Comment on a dit ? Ça commence à Borough Heights. Gohart, clique sur Ben et tu remontes un peu dans les messages, tu vas trouver le plan. Sur qui ? Sur Ben. Non, mais il suffit que tu prennes le fichier, tu le balances dans le Discord. Tu le fais un glisser. Ouais, mais moi je l'ai ouvert par Discord. Je l'ai pas. Attends, je vais essayer. Tu le sauvegardes et tu le remets. Oui, sinon tu remontes dans les fins limiers plus haut et tu vas le trouver. Mais loin, hein. Bon, allez, je l'ai, ça y est. C'est où ? C'est là. Alors, son plan, vous voyez, tout en bas à droite, la gueule... Oui, la gueule du mec, ouais. Et ben, toi, tu traces une ligne à peu près comme ça jusqu'au la prison militaire, le 9, tu vois. Aux alentours du 9, tu verras... Ah oui, je l'ai, Borough High. C'est pas très loin d'Elephant and Castle, hein, qui est tout en bas. Donc, Borough High, ensuite Borough Road, tu continues. Attends, parce que... Oui, ça y est, alors Borough High, tu dis, il est où par rapport au 9 ? À droite. Ah ouais, Borough High Street, ok. Ouais. Donc ensuite, il y a Borough Road. Ouais. C'est un petit peu... Alors là, il a tourné, en fait, en effet, à gauche. Non, il a tourné à droite. Hein. Ah bah, t'as marqué après, t'as Saint-Jean-Circus. Des Borough High, ensuite Saint-Géo-Circus, ouais. Waterloo. T'as Waterloo. Waterloo, ouais. C'est où, ça ? Ça remonte. Ça continue, ça remonte vers la gare de Waterloo. D'accord, Waterloo's Road, ok. Pont. Ouais. Gohard, je t'ai mis le lien, regarde. Le pont de Waterloo, d'accord. Traverser le pont, d'ailleurs marqué. Donc ouais. C'est gauche, ouais. Ensuite droite. Gauche sur Victoria Embankment. C'est pas ça, Dédé. Donc pas à ça. Gauche. C'est la rigue du jeu, ça. Et Villiers Street. Donc en fait, il y a quoi à Villiers Street ? Il y a une gare. Il y a la gare de Charing Cross.
Et il y a un numéro 20 aussi. Donc ça serait... Il faut aller soit au 21 CO, soit au 20 CO. C'est vas-y, ça là, vas-y. On est d'accord ou pas? Ouais. Ah, c'est bon. Vas-y. Allez, Green. Ouais. 21 CO ou 20 CO, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ça y est, vous avez trouvé. Il y a le Grand Hôtel. Quoi, il y a ouais, c'est Brisbane et Gare de Sherrington. Bah, Villiers Street, c'est vite fait, en fait. T'as 20, 21, 22. 22? Ok, je vois un peu. Ouais, mais 22, Grand est-ce Hôtel. Que 22, c'est pas Villiers Street, hein, c'est Nozer, je sais pas quoi, là. Non. Ah, oui. Non, non. Ah, allez, le 20, c'est le fumoir. On est baisé. Le 20, c'est... Ah, mais non, on n'est pas baisé. Non, on n'est pas baisé. Il se rendait au fumoir. Il y a rendez-vous au fumoir, c'est un bon indice, au contraire. Oui. Oh. Ouais. Et donc, il part de Borough High. Ouais. Il dit à gauche dans Borough High. Donc, il part, il part de là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Borough High? Il vient de la droite de Borough High, alors. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 trucs, il y a deux numéros. Hein. C'est 80 SE ou 8. Mais non, mais c'est l'hôtel Bridge House. Trop. Quoi? L'hôtel Bridge House, juste à côté de la Tamise. En haut. Ah, c'est de là qu'il est parti, tu crois? Bah oui. Ouais, mais pour faire. Donc, il parle de. Donc, quelqu'un lui a mis le chemin. Comment aller au fumoir? Voilà. C'est ça. En partant de l'hôtel, comment aller au fumoir? Et au fumoir, on nous a dit quoi déjà? Comment il s'appelait le mec là? Avec un petit vieux. Ouais, mais comment il s'appelait ce vieux là? Est-ce qu'on a son nom? Non, j'ai pas noté. Non, ça me dit rien. C'était quoi? C'était 20 CO? 20 CO, ouais. Non, il n'y a rien. Parce que comment ça se fait qu'il avait sur lui le chemin pour aller... Enfin, comment ça se fait, d'ailleurs Mais non, c'est les Français, il connaît pas la ville. Donc, il s'est fait marquer le... Voilà, le comme c'est marqué gauche, droite et tout ça, ça confirme qu'il parle français, effectivement. Ouais. Que le pont, par exemple, traverse le pont, TR, pont. Bon, déjà, on sait qu'il venait chaque après-midi à 16h45. Ok. Il se barrait à 17h45. Et il se barrait... Bien compris, hein. 16h45. Ah non, il mettait fin à la partie à 16h45. Voilà, à 16h45, okay. Il se barrait. D'accord. Parce qu'il avait piscine après. Bon, alors déjà, on a résolu un des codes. En fait, c'est le chemin de l'hôtel au fumoir. Oui. Ça, c'est bon. Il reste les majuscules, par contre. C'est-à-dire? Ben, le G, le D... Non, droite, gauche, droite... D'accord. Et Villiers, alors... Villiers, c'est le nom de la ville. C'est le nom de la rue. C'est la dernière rue. Okay. Non, c'est vraiment des indications géographiques, ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Non, là, on est bon. Ok. Ouais, ça, c'est bon. Donc, l'hôtel Bridge House, c'est de là où il partait. Donc, ça veut dire qu'il avait rendez-vous avec la nana à l'hôtel Bridge House, puisque c'était son rendez-vous galant. Et de là, il partait au fumoir, après. Et ensuite, il allait au théâtre. C'est ça, hein? On est bon, ouais, hein? Certainement. Ouais. On n'a pas les horaires de la représentation? Non. On n'a pas les horaires, mais bon... On n'a pas le nom de la compagnie de théâtre ou de... Mais le théâtre, si, on y est allé. On y est allé, déjà. On n'a rien de plus. Non. Alors là, vraiment... Et le Ralph Parrish, là. On ne peut pas trouver son adresse ou... Alors, c'était qui, lui, Ralph Parrish? D'où il sort, lui? Il est au théâtre, lui. Je l'ai noté. C'était celui, apparemment, c'est pas celui qui place les gens ou un truc comme ça. Là. Parrish Ralph, 17 SE. Ouais, parce que lui non, 57 de... SE, pardon. Ouais. À Green, le dernier mot du mot codé, H-I-N-E, ça correspond à quoi avec mon code? Déjà. À quoi? Déjà. Déjà? 57 SE, vous voulez que j'aille voir Paris? Ouais. Pendant qu'on... 57 SE, il n'est pas dans le... Il n'y en a pas. Dans le jeu. Ça, bon, alors, non, c'est une fausse piste, alors, ça va. Ok. 57 SE... C'est vrai qu'il n'y a plus grand espace avec le dernier mot du... Allez, Green, tu peux nous mettre le texte du truc, s'il te plaît? Ouais, ça serait bien. Je vais essayer. Quel... Ça serait bien que tu te dépêches aussi.
Tu veux quoi, le texte décodé ou le texte... Le texte décodé. Ouais. D'accord. Bon, parce que je l'ai fait sur mon... Parce que je voulais pas mettre une connexion copiée. Alors, je vais essayer d'aller sur le... Bonjour. Sur le 57 SE, il n'y est pas. Sur le Discord. Bon, alors... Attends, 57 SE, attendez, parce que j'ai regardé 57 CE comme un con. Non, SE. Non, il n'y est pas non plus. Attendez, parce que là, je vois un article, il y a marqué Elephant and Castle, Bunty and Clyde, genre le spectacle. Ouais, on a... Célèbre chant et danse d'Australie. Ouais, on en a parlé tout à l'heure de ça. On en a parlé tout à l'heure, mais le truc, c'est que on n'a même pas cherché par rapport au nom, parce qu'ils sont australiens, mais on peut regarder dans l'annuaire, mais ils sont australiens, a priori, donc... Et l'huissier, là, qui a découvert le corps... Mais c'est lui, non, Ralph Parrish, non? C'est Parrish, je pense, ouais. Ouais, c'est lui. Ouais. Que, d'après ce qu'ils disent, le corps, il a été souvent dans la loge, il n'a jamais vu ce bonhomme, à part quand il est arrivé en état de cadavre. Ouais. C'est bizarre qu'il n'ait pas vu. Normalement, ils sont physionomistes, hein, c'est joli. Ça m'étonne quand même ce qu'il nous a dit, le mec de... Ouais, je voulais envoyer. Il y a qui ? Alors... on va aller voir si ça vous dérange pas. Après, j'ai plus trop d'idées, moi, le journaliste au Police Gazette. Source d'information pour les affaires criminelles. Oui, bah oui, c'est ce que j'avais vu. Donc, c'est le 35 CE. Henry Ellis, c'est ça ? Non, Quentin Hogg. 35 CE, Quentin Hogg. Alors, je vais le lire à l'égrine parce qu'on t'entend toujours pas très bien. Merde. Alors, Quentin Hogg nous fait entrer dans le désordre de son bureau. Avec précaution, nous nous frayons un chemin jusqu'au fauteuil à côté de sa table de travail. Nous nous occupons du corps mystérieux retrouvé à l'Elephant and Castle hier soir. Hier soir, c'est un Hogg. Dites donc, les gars, vous ne perdez pas de temps pour vous occuper d'une affaire. Je viens d'arriver au bureau et je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder les rapports de police. Un meurtre, c'est ça ? Wiggins lui raconte ce que nous avons découvert jusqu'alors. C'est-à-dire pas grand-chose. Hogg semble intéressé. Ça paraît être un véritable mystère. Je vais voir ce que je peux vous trouver. Et vous me direz si vous découvrez quelque chose qui vaille la peine de faire un article. D'accord, comme ça ? Nous nous serrons la main et nous partons en prenant toujours autant de précautions lorsque nous sommes entrés. C'est-à-dire que nous n'avons rien appris. Ouais. Putain, c'est la merde, là. Bon, attends. Holmes, qu'est-ce qu'il verrait, lui, au départ ? Il verrait le mec qui est très soigné. Donc, il y a qui soigné, des masseuses. Voilà. Ça n'en doit je le savais. Il verrait le mec qui est très soigné. Il y a un Roger dans l'histoire. Calme-toi. Oui, c'est le Roger. Ouais. Oui, il y a un Roger. Alors, prends le... Je viens de regarder un truc. Prends le message, là, le message codé. Ouais. Parce que j'ai rien trouvé avec le reste. Je sais pas où tu... C'est con que tu l'écrives pas sur un papier pour le montrer à la caméra parce que du coup on ne voit pas ton truc. Alors, ouais. Et hop. Là. Merde, attends. Je sais pas si on le voit là. Tu lis les lettres de bas en haut. De bas en haut, lesquelles ? Roger. Qui sont... ouais. Ah oui, Roger. Roger, quand tu fais quoi ? Bah, j'ai mis comme ça là. Mais pourquoi cet endroit là? Ah non, mais parce que j'ai regardé toutes les lettres et là ça veut dire là ça fait Roger. Oui, mais j'en sais rien moi. T'as regardé toutes les lettres comme ça, tu veux dire? Ah non, j'ai pas regardé. Ouais, Non, mais là il y a une histoire de codage, ouais, il a raison. Hein. Bon, attends, je vais remettre ça sur l'écran. Hop. Alors. Je vais voir le coup du Roger là, parce que là je comprends pas trop. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée là de... Ben j'ai tout cherché. Attends, j'en ai pas moi. Roger. Ah attends, par contre en faisant ça, en faisant ton truc là, on trouve des... J'ai essayé avec le texte traduit, ça fait rien du tout. Attends, remontre-moi comment tu l'as trouvé le Roger, parce que moi en regardant le truc... J'ai essayé toutes les lettres, majuscule, minuscule. J'ai essayé de faire en prenant une lettre, en additionnant, en prenant la première lettre, la troisième lettre, la sixième lettre, etc.
ça veut rien, ça fait rien du tout. Donc bah après j'ai pris comme ça là. Oui, vas-y, montre-moi. C'est des trucs classiques de codage, ça. D'accord. Un autre mot, et donc, à un moment, tu trouves Roger. À un moment, je trouve Roger. Ouais, mais tu trouves autre chose. Hein. Enfin, je vais essayer, là, tu trouves autre chose. Il y a ici, ICI. Bon, je sais pas si c'est un rapport. C'est la 4... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11e ou 12e colonne. Tu trouves ici. Bon, après, t'as un hasard. Hein. Ouais, c'est un hasard, mais... Parce que la plupart du temps, ça veut rien dire du tout. Hein. Et le quatrième, t'as Rendé. Rendé Roger. Sauvez lui. Rendé. Ah non, Rendez-vous. Et attendez, essayez de le faire à chaque fois qu'il y a une majuscule. Ah oui. Ah, et si on parle les lettres du... Et les majuscules du texte, là. Attends, et... non. Attends, Dédé, deux secondes. Essaye de faire ton truc, allez, Green, chaque fois qu'il y a une majuscule. Rendez. Moi, il y a Rendé. Ah, ouais. Bah, le premier, ça fait rien, hein. Y, S, Z. Non, le premier, non. Non, mais faut voir. Non, mais c'est peut-être tous les je sais pas combien de lettres. Ouais. Rendez-vous ici, Rendez-vous. Parce que je vois bien Rendez, effectivement. Ouais. Rendez. Il y a deux rires. Rendez. Le deuxième mot, il... Rendez. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Le vous, tu le vois où le vous ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rendez-vous, Roger. Ah oui, vous. 3, c'est bon. 4, on l'a. Rendez-vous. Goldie. Rendez-vous, Roger. Rendez-vous ici, Roger. 1, 2, rendez-vous 3, 4, ici. 5. Rendez-vous. Vous. Roger. Gold. Gold. 3, 4, 5. Vous êtes cerné dans ce cas. 6. Gold. 6. Goldfinger. 3, 4. 5, 10. 6. Ouais. Midi. 6. Mi. 6. Midi. Mint. Mante, ouais. Exclu, à la toute fin. Exclu. Cox. Ouais, Cox, ouais. Bon. Rendez-vous ici, Roger. Midi. Rendez-vous ici. Roger. Roger, reviens. Roger. Ouais, reviens. Roger. Bah, t'as rendez-vous, donc c'est un lieu. Donc, chercher Cox. C'est pas annuaire. Hein. Cox. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Cox. Cox et compagnie, c'est une banque. C'est vrai que c'est quand même bizarre que les mots, en faisant le code César, ça marche. Enfin, ça fait des mots, quoi. Enfin bon, ça, rendez-vous Roger, quand même, c'est un peu bizarre aussi, non ? Rendez-vous Roger, c'est un peu bizarre aussi. Quand tu cherches Cox dans... Et c'était qui, le Roger ? C'était le petit ami de Mini. D'accord. Tu dis qu'il y a un Cox, quelque part ? Ouais, il y a Cox, Cox et compagnie, ouais. Banque. D'accord, on va aller voir ça. C'est à quel endroit ? 22... Attends. Cox et compagnie 22 CO. Ouais, CO. Tu le lis, Alegrin ? Bah, si vous m'entendez, oui. Mais... Bah, pour l'instant, t'entends, profitons-en. Alors. 22 CO. J'aimerais beaucoup que la ville termine ses travaux de terrassement là-bas. Directeur de la banque Cox, montrant l'excavation de l'autre côté de la rue, entreprise à l'initiative de la municipalité. Il semble que cette argile laisse des traces boueuses partout. Écoutez, vous cherchez un rouquin, 35 ans environ, de taille moyenne, qui aurait pu se trouver ici ces dernières semaines. Oui, je crois que je le connais. Consultez ce registre. Donna P. Charles. Le 20 février, il loue un coffre-fort. Il vient tous les jours ouvrables à 16h45 précise. Ouais, c'est bon, c'est ça. Avant la fermeture, c'est tout ce que je sais de lui. Alors, comment il s'appelle, tu dis ? Donald P. Charles. Charles, c'est son nom de famille ? Bah ouais. Oui. Donc Donald, c'est son prénom, en fait. Ouais. Mais ça, c'est exactement l'histoire de la Ligue des Rouquins. Hein. Non. Où il creuse un tunnel sous la banque pour aller cambrioler la banque. D'accord. Non, Donald, c'est son nom. C'est Charles, le prénom. Non.
Non, c'est non. Juste, c'est juste son prénom. C'est juste, c'est juste son nom. Ah, rappelle-moi d'éviter les tes invitations à bouffer, toi. Il s'appelle juste le blanc. Alors attends, parce que là, est-ce que tu crois qu'ils essaient de nous embrouiller, c'est-à-dire de nous mélanger deux trucs là? J'ai l'impression. Ouais, parce que là, c'est vraiment l'affaire des... Alors le problème, c'est le Donald. Le Donald, ça colle. Donald P. Charles, on pourrait essayer d'aller voir s'il existe ce mec, quand même. Non, c'est trop vrai. Je vois pas du tout de Donald P. Charles dans l'annuaire. Bon, donc c'est pas ça. Non, mais ou alors, c'est, tout ça, c'est... Il a inversé. Bah même... tu veux dire qu'il s'appelait... oui, mais on a cherché un mec qui s'appelait Donald... Ah, Donald, je crois qu'il y en a un, Donald de quelque chose. Dans l'annuaire. Donald de Houlahan and Company. Ouais, c'est ça. Je l'avais dit, mais je crois que ça marche pas, c'est pas dans le jeu. Je cherche, mais je crois pas. Bon, ce code, il me casse les burnes un peu, là. Mais ça m'intrigue quand même, cette affaire. Qu'est-ce qui t'intrigue, Thomas? Le truc avec Moriarty, là, il nous a filé une boîte avec code, mais... Oui, mais j'ai même pas compris qui nous l'avait filé, en fait. Parce que j'ai pas compris le nom du mec, ça correspond à rien. C'est tenancier de boutique qui file des infos. C'était quoi, cette histoire? Ben, alors, quand on est allé voir l'indicateur, là, qui est en rapport avec Moriarty, ouais. Il nous a filé... Alors, attends, c'est quoi, déjà, le truc? Alors, Sam Parsons se nous tend un coffre-fort en miniature avec une petite serrure à combinaison qui fonctionne réellement et un billet qui l'accompagne. Il m'a dit qu'il faut aller au-dessous pour l'ouvrir, ajoute Sam avec un air mystérieux. Oui, mais Sam Parsons, c'est qui? On sait même pas qui c'est. C'est le tenancier de la boutique. C'est le nom de Pic. C'est la boutique... Attends. Ah oui, d'accord, la boutique de jouets, Parsons, c'est fils, d'accord. 18 Nord-Est, membre de la PU. D'accord. 18 Nord-Est. C'est quand même bizarre, je vais dire. Il faut aller en dessous, mais en dessous. Quoi, c'est ça la question? Mais c'est surtout, est-ce que c'est un rapport avec notre enquête? J'ai un doute, moi. Bah, ouais, mais habituellement, on ne donne rien, et là, nous donne quelque chose. Donc. Parce que je crois que Allegrine a raison. Ils sont en train de nous mélanger l'affaire des rouquins, la vraie histoire des rouquins de Holmes, là, avec notre histoire à nous. Alors, est-ce que c'est vraiment un lien? C'est ça, la question. Ouais. Parce qu'habituellement, il nous donne rien, ce mec-là. Et là, il nous donne un truc. Il nous donne une énigme, tu vois. Aller voir en dessous... Alors, en tout cas, voilà, c'est ça la question. Bah, les coffres-forts, il y en a où, des coffres-forts comme ça? Il n'a pas parlé de coffres-forts, là, quoi? Ah, bah, à la banque. Mmh. Ouais. Il faut aller faire un tour à la banque, voir si le rouquin est passé, ou je sais pas quoi. On vient de le faire. Bah, on vient de le faire. Ouais. Voilà. C'est bien. On vient allez, de le faire. Allez, mais attends. Allez voir en dessous. Ils sont en train de creuser. Dessous, c'est les égouts, je sais pas quoi, ouais. Alors, c'est en face de la banque. C'est quoi, en face de la banque? C'est quoi, le numéro? Attends. Ah oui, tiens, excellente idée. Bah oui. C'est quoi le numéro de la banque? Comme d'hab, je sors de la merde, quoi. 22. C'est ça, ouais. Oh la gueule. C'est en combien? T'es mieux à arranger pour la route, quoi. Bon, allez, là, dis-nous plutôt où est la banque, Thomas, parce que. 22 CO. 22 CO, d'accord. Alors, c'est 22 où, ça? 22 CO, c'est Grand Hôtel. Je comprends pas. 22 CO, c'est où, 22? Tout en bas, à côté de la Tamise, à côté de Charing Cross. C'est où? Alors, Tamise... Non, c'est pas ça, la banque. Ah, 22. C'est Grand Hôtel. C'est le Grand Hôtel, c'est ce que je dis. Non, mais c'est pas ça. Mais... C'est CO ou SO? Parce que... CO. Attends, mais où est-ce qu'on l'a lu, le truc de la banque? À 22 CO? 22 CO. La banque est... C'est pas loin du truc de cigare? Oui, c'est juste à côté. Ouais, donc en fait, le mec, il repérait les lieux. Ah, oui, t'as la rue Villiers, non. Là, juste... Oui, oui, c'est ça. Quelquefois, les bâtiments, c'est pas une enquête, c'est pas forcément le même. Hein. Ouais, d'accord, mais ils sont cons, alors, parce que là, c'est... Là, oui. Autant qu'ils mettent pas de trucs, dans ce cas. Alors, dans ce cas, en face, c'est bien en face qu'il y a les travaux, ça serait au 85 SO. Ouais. Bah, c'est pas au 20 CO qu'il y a des travaux. Il peut y avoir les deux. Non, 20 CO c'était. Attends, c'était non, 20 CO c'est le fumoir. C'est le fumoir, et 85 c'est les travaux alors. Et ben, a priori, en face du Grand Hôtel, en face du 22, c'est le 85. Oui, c'est juste la même face, ouais. Donc 85 SO. Il y a quelque chose ou pas?
Non. Ah, y a rien du tout. Putain, non, mais là on part dans des pistes à la con, moi je pense. On est en train de se faire entuber là. Ouais. Faut qu'on continue à avoir les informateurs. Faut juste trouver le bon. On a le gros niqueur mondain qu'on n'avait pas vu, parce qu'il y a quand même l'autre qui avait. C'est un mec de la haute société. Donc on peut peut-être aller voir le 2SO, le chroniqueur mondain. SO ! Oh putain. Allez, j'y vais. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Moriarty, ça ? C'est pas Moriarty, ça ? Pourquoi tu dis ça ? Là, là, on voit un peu... Et alors ? Bah, je sais pas, mais c'est bizarre qu'ils mettent l'illustration de... Enfin, je sais pas. Ah ben, je l'ai pas, moi. Tu l'as pas ? Non. Bon, 2SO, chroniqueur mondain. Parce que quand même, comment il s'appelle déjà cet idiot? Merde, il est où ce Il s'appelle Langdale Pike. Alors, c'est parti. C'est par pur hasard que nous trouvons Langdale Pike seul au club mondain. Il écrit sur son calepin en fumant avec délectation sa cigare d'importation. Ça n'a pas l'air de le déranger que nous l'interrompions. En fait, il est impatient d'échanger des ragots. Qu'est-ce que vous avez pour moi aujourd'hui, jeune détective? Il y a eu un meurtre au théâtre Elephant and Castle hier soir. Vraiment ? Qui était-ce ? Non, laissez-moi deviner. Sir Clayton Partridge ? Lord Rutland ? Peut-être le problème est là, monsieur Pike. Nous ne savons pas. Personne ne sait pour l'instant. Mais qui que fut la victime, elle connaissait Minnie Cavill. Que pourriez-vous nous dire de cette dame ? Ah, Minnie, la reine des rossignols. Son chant a conquis le cœur de nombreux hommes respectables. Mais j'ai entendu dire que, bien qu'elle eût des prétendants aux coulisses presque chaque soir de la semaine, elle est toujours fidèle à son seul amant. Et qui est-ce ? Langdale Pike se caresse le menton plusieurs fois, cherchant dans sa prodigieuse mémoire le nom qu'il y avait inscrit il y a des mois. Ah oui, je m'en souviens, à présent. Roger Thornberry. Ah, on a un nom. Le nom. Alors, Thornberry, c'est T-H-O-R-N-B-E-2-R-L. C'est bon, je l'ai trouvé dans l'annuaire. Un type plutôt lourd et frustre, il me semble, quoique je n'ai jamais eu le déplaisir de le rencontrer. Ce n'est pas la première fois que la blonde jeune fille tombe sous le charme du méchant prince. Nous le remercions de son aide, et quand nous partons, il nous crie. Et quand vous trouverez la solution, n'oubliez pas de m'en faire profiter. Alors on va aller le voir ce mec-là, parce que le Roger... C'est 30SE. Ben, peut-être c'est le suspect numéro 1. Vas-y, allez Green. Ah bah attends, j'ai une connexion de merde là. Mais non, vas-y, on t'entend des fois. Ah, pour une fois, on t'a. Alors, la logeuse de Roger Thornberry nous demande si nous pouvons rendre visite puisque nous montons. Voudriez-vous être assez aimable pour remonter un panier de linge? Je suis plus que j'étais pour gravir un escalier. Oh, et dites-lui que j'ai fait de mon mieux avec ces bleus. Cette argile collante ne veut pas partir. Ah ah, de l'argile. Ah ah. Nous convoyons le linge jusqu'en haut de l'escalier et transmettons le message. Les manières douces de Roger Thornberry et sa voix suave forment un contraste saisissant avec son imposante carrure et son visage dur. « Je connais pas un qui vive !» Cheveux. Voyant la photographie encadrée d'une jeune femme en costume de théâtre, posant comme pour chanter, et l'affiche du théâtre d'Elephant and Castle, il est demandé s'il connaît Minnie Cavill. En fait, il n'y a rien d'autre à lui demander, et nous prenons congé. Alors attends. Lui, il serait dans le coup de la banque, alors. Ah bah, un peu. Ah oui. Parce que dans le... Je te dis, dans l'histoire, en fait, il creuse sous la banque. Ouais. Il creuse depuis, je crois, si je me souviens bien, depuis là où il y a la Ligue des Rouquins, qui est juste en face de la banque. Et là, c'est en travaux. On a dit que l'histoire de la Ligue des Rouquins, là, on a pas pu aller rencontrer des mecs qui sont pas dans le livre. Hein. Mais la Ligue en elle-même, on n'a pas l'adresse. La Ligue des Rouquins. C'est ce que j'étais en train de regarder dans l'annuaire. Sinon, il y avait aussi les... Est-ce qu'on a été voir les... Comment ça s'appelle ? Les cochers. Que s'il a pris des itinéraires, etc. Oui, ça peut être intéressant, en effet. Oui. Ligue des Rouquins, 44 CO. Ah bah voilà. Ah. Allez, on va aller voir ça. Allez, c'est Je parti. Vais le faire, j'y vais. Vas-y. Pendant ce temps-là, commence à chercher, il a raison, les cochers, il a raison, Gort. 44 CO. Le portier de la Ligue des Rouquins nous regarde d'un air méfiant, car aucun d'entre nous n'a les cheveux roux.
mais Wiggins déploie tout son charme de brune et en quelques minutes, nous obtenons une entrevue avec le responsable des sociétaires. « Désolé, messieurs, je crains qu'il n'ait pu être membre de notre club. Notre banquet annuel et l'élection de notre président eurent lieu hier soir, et tous les membres étaient présents, cela est certain. Le banquet et les réjouissances se prolongèrent bien après minuit. » Nous le remercions de son aide. Super. Super. Alors, mais ça... elle est cochée, on y va ? Elle est cochée, ouais. Elle est cochée. Ça a peut-être un rapport, quand même. Les cochés nous renseignent facilement sur notre homme. Ça fait une semaine que j'emmène ce type au théâtre Elephant and Castle, nous raconte Charlie. Tous les soirs, à la même heure. Et de quel endroit partez-vous ? De Villiers Street. Moi, ouais, c'est logique. Le fumoir. Ah, ouais. Le fumoir, ouais. Ou la banque. Ou la banque. Ouais, ou la banque. Ouais. Non, parce que dans là, ce qu'il nous disait, c'est que il finissait sa partie d'échecs à 16h45, ouais. Et ouais. En fait, il allait à la banque. Ouais. A priori. Mais le fumoir, il est pas loin, en fait, des trucs d'argile, là. Ah bah oui, c'est où Roger. Il y a des travaux. C'est à côté. Donc, par contre, ce que je m'explique pas, c'est si Roger l'a buté ou quoi que ce soit, pourquoi il l'a foutu dans la loge ? Quoi ? Il l'a tué dans la loge. Il l'a tué dans la loge. Il a été tué dans la loge. Ouais. On l'a trouvé dans la loge. Oh, bah attends, tu te vois transporter un rouquin Ah, je sais pas, t'as un huissier qui ouais. Fait dans la loge, tout ça, il le voit jamais, et puis il disait qu'il était seul. Peut-être que c'est peut-être la fille qui l'a tué, parce que c'est plus facile pour elle, elle est déjà dans le théâtre. Ah, elle est plus petite ? Eh oui. Et pourquoi elle l'aurait tué ? Non, parce qu'après, il nous faut un mobile. Hein. Mais apparemment, les trois, ils sont liés, là, dans une même magouille. Parce que là, le problème, Roger, c'est que pour l'instant, est... on n'a aucun mobile. Mais si ce n'est la jalousie, si c'est Roger, mais c'est non, léger. c'est pas ça. C'est encore comme l'autre fois, là. Il y a une histoire. Moi, à mon avis, le coup, c'est quand même un meurtre de professionnel. Attends, oui. Un coup qui part de la nuque vers le cerveau, c'est un truc de professionnel. Donc, ça ressemble éventuellement à un truc genre Moriarty. Et le Roger était un candidat parfait. Ouais. Pourquoi ? On a quelque chose sur... Bah, le Roger, on sait qu'il avait sur lui, sur ses habits de la gadoue, là. Et l'histoire de l'argile, c'est l'histoire du tunnel qu'ils sont en train de creuser, sûrement, pour aller... Quoique, la Ligue des Rouquins, elle est à quel endroit, on a dit ? Parce que s'ils font un trou depuis la Ligue des Rouquins et qu'on a l'adresse, on verra bien si c'est la même banque aussi. Ah oui, c'était combien, tu as dit ? Deux SO ? Je vais te dire. Ligue des Rouquins, c'est 44 CO. Est-ce que c'est quelque part dans ce coin-là ? Mais là, c'est dans le CO, donc... 44 CO, c'est vachement haut. C'est au-dessus du British Museum. Ouais, ça n'a rien à voir, en fait. Mm. On est en train de se faire entuber, là, encore une fois. Ouais. Ouais. 44 CO, ouais, ça n'a aucun rapport. Parce que bon, le seul truc qu'on peut avoir, c'est Roger qui tue le mec pour un mobile qui est la jalousie. Mais c'est bon. Léger quand même. Hein. Sauf que ça tient plus, puisque apparemment ils étaient en affaire les deux. Qui a dit qu'ils étaient en affaire ? Mais dans le mot, là, dans le code, il y a le nom du Roger. Et ça veut pas dire qu'ils étaient en affaire, ça. Ça peut vouloir dire que la nana lui a écrit un message du genre Roger sera pas là ou une connerie comme ça, tu vois. Mais de toute façon, le code, on l'a pas réellement, non, ce code. Non, ça veut rien dire, là. Tout ce qu'on a vu, ça veut rien dire dans le code. Même s'il y a rendez-vous Roger. Ouais, je crois que c'est un hasard. C'est bizarre. Moi, c'est vrai qu'il y a quand même rendez-vous qui est marqué. Oui. Ça, c'est. Il y a un truc avec ce code, putain, qu'on n'a pas pigé, là. Bon, moi, je vais me remettre dessus. Parce je sais pas ce qu'on peut voir comme piste, mais. Il y a quand même, tu peux relier la banque parce que à 16h45, il quitte le fumoir et il y a le même horaire à la banque. Là, sur. Ouais, pour il traverse la rue et il s'en passe. Hein. C'est juste en face. Ouais. C'est vrai. Donc on peut relier la banque. Mais malgré tout, il va quand même tous les soirs avec des fleurs portées à des fleurs à la nana, qui dit qu'elle le connaît pas.
Alors, est-ce que c'était un rendez-vous, un faux rendez-vous, en fait Qu'est-ce qu'il allait y foutre à cette banque, déjà? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Pourquoi il allait à la banque? On a dit la banque, pas. C'est que c'est... C'est pas. Attends. C'était au... 22 CO. Il a loué un coffre-fort. Le 20 février. C'est... Il a loué un coffre-fort. Mais c'est pas sûr que ça soit le même mec, hein. Ah, alors on peut essayer d'aller voir si un qui nous a toujours donné des bons renseignements, je sais pas si ça va servir à quelque chose là, c'est comment il s'appelle celui qui compile là, les archives. Il y en a deux d'ailleurs, il y a l'archive des naissances, décès, mariages, mais bon, il y a l'archiviste au bureau des archives nationales, compile les documents légaux et criminels anciens. Il y en a un, c'est 14 CO, l'autre c'est 17 CO. Au choix. On est allé à la Ligue des Rouquets, tu avais pris le nom du président pour chercher ou... Non, j'ai cherché Ligue des Rouquins. Parce qu'il y a un article où il y a le nom du président de la Ligue, Thurston Ramdell. Le truc dont Gort nous a parlé il y a une heure et demie à peu près. Il écoute rien, Dédé. Il écoute rien, sans déconner. On les a cherchés, ces noms-là. On les a pas trouvés. Ah ouais, vous avez... ok. On les a cherchés, on les a pas trouvés. Alors, est-ce que on peut pas faire des mots à chaque fois qu'il y a une lettre majuscule? Est-ce qu'on peut pas, en partant dans un sens ou dans l'autre, trouver un mot avec cette lettre? Ouais, c'est ce que... Avec les lettres majuscules? Avec les majuscules. En prenant les majuscules, en partant dans un sens ou dans l'autre... Oh putain, non, ça marche pas. Hein. Et même avec les traductions, ça fait rien du tout. Parce que là, on n'a pas le, a priori, on n'a pas le nom du mec, à moins que ça soit le Charles Donald P. Charles. On avait cherché dans le bottin s'il n'y avait pas son nom, quand même. Rassurez-moi. De qui? Charles Donald P. Charles. Oui, non, j'avais. Oui, oui. D'accord. Je sens qu'on va avoir une bulle. Là, on n'est pas bon. Tu dis là, on n'est pas bon. Sinon, il y a un truc là, ben, c'est peut-être autre rapport, mais il y a balle costumée, comédie de salon, vente machin, il s'appelle Bickers et Fils. Non, mais je sais. Les pourquoi il aura un truc marqué. Non, on en a deux maintenant. Non, mais il y a un truc marqué. Ouais. Alors moi, ça marche pas. Et là, il y a Bicker et Fils. Alors moi, les deux là qui sont à droite d'Allegrine, je peux vous entendre jusqu'à la fin du jour. Terminé. Vous parlez entre vous, l'Académie des Neufs, tu sais, tu veux vous parler comme ça. Là. Non, mais regarde, le plus des acteurs, des costumes historiques, des guisements, etc. Peut-être que c'est là qu'il a reçu ses. On a vu Scotland Yard, vous faites ou pas? Non. Et non, pas vu. Ça va rien. On peut tester, on peut tester. Va. Vas-y, Thomas, parce que je regarde les codes, moi. Ouais, ça marche. C'est où? Scotland Yard. Scotland 13 SO. 13 SO. Il n'y a peut-être rien, mais... L'inspecteur Lestrade est penché sur une pile de circulaire de la police, essayant de faire le rapprochement avec le requin, et lui jette un peu d'un regard. Finet, appelle-t-il. Lorsque Finet, un grand policier, mince, aux yeux tristes, derrière d'épaisses lunettes, fait son entrée, venant de la pièce voisine, Lestrade lui demande s'il a progressé sur le fichier. Jusqu'à présent, j'ai quatre possibilités, inspecteur, dit-il en lui tenant quatre fiches. Lestrade les parcourt. Trop grand. Trop petit. Grain de peau sur la joue droite. Non. Chauve. Chauve. Eh bien, monsieur, il a été rouquin. Lestrade se prend la tête à deux mains et la secoue. Continue à chercher, Finet, dit-il. Nous continuerons à chercher, mais dites à monsieur Holmes que cela ne peut prendre du temps avant que nous apprenions quelque chose. Oh là 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 là. Ils sont nuls, à Scotland Yard. C'est vraiment des. Ah ouais, c'est des vrais. Ils sont comme nous, en fait. Hein. C'est ça. Et... Putain! Non, non, par contre, en faisant un tour sur le village,
Là on est pas bon. Là je pense que là c'est la catastrophe aujourd'hui. Chercher Gold dans l'annuaire, il y a un bar qui s'appelle le Gold. Et donc voilà. Parce que quoi, c'est qui ça? J'ai refait un tour dans le sur le code là, tu sais, en déchiffré ouais. Une par ligne. Et avant ça marquait Gold. Gold? Chercher Gold. Oui, Gold. Oui. C'est un bar. Voilà. C'est un bar. On peut essayer d'aller voir. C'est au combien? 33 SE. Tu regardes les greens? Oui. 33 SE. Et le journal, non, il n'y a rien en fait. J'ai rien. Bon, j'ai rien. C'est nul. 33 SE. Rouquin? Ça doit être Mac. Du bar du Gold. Un nouveau en ville. Il faisait son truc avec une pièce de monnaie. Il la faisait courir de droite et de gauche sur ses doigts. Et puis, c'était un bon truc. J'ai jamais vu la faire tomber. Il se penche et dit d'une voix sourde, il a rencontré Thornbury, voilà. Mais c'est un type qui vaut mieux pas approcher. Je l'ai vu embrocher un type comme si c'était une dinde avec son couteau italien. Ça a dit quelque chose. On dit que Thornbury est avec... Il regarde pour, se penche à nouveau et murmure. Moriarty ! Non, chut ! Si on vous demande, j'ai jamais rien dit. Ah ouais. Alors le stylet, c'est un stylet. Hein. C'est Estec. À mon avis, c'est un stylet. Alors attends, on est bien d'accord. Le gold, tu l'as trouvé dans le code, là. Ouais, c'est le donc, code. Y a bien des... ça, donc, ouais, ça marche. Donc il y a bien des mots qu'il faut chercher. Ouais, le roger, on l'a trouvé. Le gold, on l'a trouvé. Ouais. Et c'était combien, tu dis, 33 SE? Ouais. Alors ouais. Donc, je vais relire un peu parce qu'on t'a pas entendu. Ah, merde. Donc, c'est le serveur qui dit que un rouquin du genre bien mis, ça doit être Mac. Donc, Mac, il s'appelle pas Mac, le mec de la banque. Bah, il s'appelait Donald P. Charles. C'est ça, c'est pas ça. Le même. Mais c'est pas possible. Ouais. Putain, comment c'est pour... Ou alors, il a pas donné son vrai nom. Il a inversé peut-être. Il doit s'appeler McDonald. Ouais, t'as raison, Dédé. Il a dû inverser son nom. Charles McDonald, il doit s'appeler. Ouais. Est-ce qu'on a un Charles McDonald dans l'annuaire? Donc, un nouveau en ville, il y faisait son truc avec une pièce de monnaie. Il la faisait courir de droite et de gauche sur ses doigts. Puis c'était un bon truc. Je l'ai jamais vu la faire tomber. Il a rencontré Thornbury, donc ça, c'est Roger. Mais c'est un type qui vaut mieux pas approcher. Je l'ai vu embrocher un type comme si c'était une dinde avec un couteau italien, donc c'est ça, un style quelque chose. Et Thornbury est avec Moriarty. Donc, bon, déjà, on a a priori le criminel, c'est Roger Thornbury le criminel. Oui, On n'a pas le mobile, à part la jalousie. Voilà, à part la jalousie, mais c'est jalousie. Déjà pas mal comme mobile. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Il l'a tué avec son stylet, là, italien, parce qu'on va peut-être nous le demander, ça. Oui. Y a pas de Charles McDonald? Non, j'ai rien. Non. Ni Donald, ni Charles, ni Mac, ni rien. Ça, c'est con, ça. Ouais, le seul truc qu'on n'explique pas, c'est pourquoi il s'est emmerdé à tout coder et tout ça, quoi. Mais... ça... Bah, ah oui, on avait cherché McDonald. Des rouquins, mais c'est une histoire parallèle, il s'est buté par jalousie, par... Ouais, un truc comme ça. Il faisait peut-être partie, oui, de la bande et puis de la bande des rouquins et comme ça qu'ils se sont rencontrés, quoi. En fait, oui, il faisait peut-être partie des mecs qui vont cambrioler la banque et il y a une histoire parallèle, ouais, comme tu dis, de jalousie avec la nénette. Alors la question, c'est qui a fait ce code? Qui aurait fait ce code? C'est ça le truc. Bah, le truc, ça dit rendez-vous. Il a donné rendez-vous pour le buter. Hein? Il lui a donné rendez-vous pour le buter, le père machin, là. Je sais pas comment il s'appelle. Il lui a pas donné rendez-vous pour le buter, il allait le buter dans la loge. Il savait que tous les soirs, il venait là, donc il allait le buter là. Il avait pas besoin de lui donner rendez-vous, en fait. Cette histoire de rendez-vous, ça doit être plutôt lié. Alors, en fait, il y a. L'histoire de l'hôtel, il donne rendez-vous à la bonne femme à l'hôtel pour se la taper. Ça, ok. Ensuite, il vient d'arriver, donc on lui a fait une sorte de plan, enfin, on lui a marqué l'itinéraire pour aller jusqu'au fumoir, pour aller jusqu'à la banque. Ouais. Il a la place du théâtre, ça, c'est logique. Et ensuite, il y a ce mot qui aurait été écrit, alors par qui, putain? Pourquoi faire le mot, là?
C'était... Pourquoi il y a la date du 5 mai? Je pense que c'est une coquille. Hein. Où ça, 5 mai? Sur le code. Le code. Je pense que c'est une erreur, je pense. Sur toutes les versions? À chaque 5 mai? Ah, ou alors, attends, est-ce que ça veut pas dire que ça fait partie du code? Est-ce qu'ils n'avaient pas prévu leur coup le 5 mai, par exemple? Peut-être que le coup était prévu le 5 mai. Mais pourquoi il y a gold dedans? L'or? Non, c'est le nom du bar. Ah, c'est le nom du bar. Ouais. Et ils se retrouvaient là-bas. Alors attends. Ils se retrouvaient dans le bar, ouais. Ils se retrouvaient dans le bar avec Roger. Attends, je regarde un peu les trucs. En tout cas, le rendez-vous, bah oui, il y a rendez-vous. Alors, rendez-vous. Par contre, pourquoi il n'y a pas marqué le vous quelque part? Si on trouvait le vous. Si, il y a vous. Il est où le vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. À 5 du rendez. D'accord. À 5 du rendez. Alors, rendez-vous. Après, à 5, on a 1, 2, 4, 5. Roger, d'accord. Après, 1. Et le PE là, c'est quoi? Donc rendez-vous avec Roger au Gold, le bar là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 à midi, le 6 à midi. Ah oui. Ouais. Le 6 à midi. 6, 5 midi. Après, on tombe sur Mint. Mint. Attends. Mint. Mint. Il y a rue, quelque chose qui fait Mint. Mint, il faudrait qu'on voit ça, Mint, si ça nous dit quelque chose. Ouais. Je vais regarder dans l'annuaire s'il y a un Mint. Mint, Espluche. Non. Cox. Mint et exclu, mint, donc. Cox. Mint exclu Cox. Exclu Cox. Mint. Mint et Cox, on avait cherché, non? On était tombé sur quoi avec Cox? C'est la banque, non? C'est la banque, Cox. C'est la banque, Cox. Oui. D'accord. Cox, Mint, oui, la Mint exclu. Alors Mint, pourquoi Cox. Mint? Pourquoi un Mint? Code ou autre comme ça? Mint. Ouais, bah. Mint. M, Moriarty, et je suis Cox. Après, l'autre, elle s'appelle Mini. M-I-N. Ouais. Mini exclu. Mini. Parce qu'en fait, est-ce qu'on prend la cinquième et on arrête à la majuscule, tu vois, par exemple, ça ferait M-I-N. Ouais. Après, non, parce que dans le suivant, on prend la majuscule. À exclu, on le prend. Ouais, c'est bizarre. Mint exclu. Et alors, est-ce qu'on a essayé de faire pareil en partant du bas avec d'autres lignes, d'autres colonnes? Non, ça donne. Enfin, j'ai déjà vu, je crois, mais ça donne rien. Ouais, ça donne rien. Non, ça donne rien. Ouais. Mint. Mais alors, Mint, ça serait quoi ça? Mint. Mint exclu Cox. Mint. Je sais pas ce que ça peut vouloir dire ça. Moi non plus. Parce que exclu Cox, exclu la banque, exclusivité la banque, exclu. C'est bizarre. C'est bizarre. On peut pas écrire Moriarty avec toutes les majuscules. Bah, avec le M. Juste le M. M exclu Cox. Ouais. Non, et parce que... Bancal, est-ce qu'on peut écrire Moriarty? On peut écrire Moriarty, je pense. Oui, sûr. Oui. Mais on peut écrire Moriarty, je crois. Tu les as prises toutes les majuscules pour voir? Non, mais... là je les ai mises. Oui, genre, on peut écrire Moriarty. Rapide, en fait. Mais on doit pouvoir écrire plein d'autres choses que Moriarty.
Est-ce que quelqu'un peut les noter, les majuscules? Pour voir. Donc il y a Y, W, P, E. Il y a un V aussi. Un L aussi, j'ai loupé. Donc il y a Y, L, V, M, H, W. Ça, c'est un peu de la merde, je pense. P, E. En boîte. S, W, W, X, O. Ouais. Ensuite, on a P, G, M, Y, P, A, T. Moriarty, on l'a, je pense. Hein. Ouais. O, R, I, R, T, I, R, R, M, G, M, G, M, et c'est bon, et I. Bah, à part Moriarty, on peut pas écrire grand chose. Hein. Ouais. C'est une signature, toi, Moriarty. Ouais, mais alors toutes les autres lettres servent à quoi? T'as bien t'emmerder. Ouais, à part t'emmerder. Je sais pas si on l'a. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah là, on l'a pas trop. Hein. On l'a pas trop quand même. Ouais. On l'a un peu, mais on... Ouais, on tourne autour, on est pas loin comme d'habitude. Peut-être ouais. Avec les questions, on arrivera à y répondre. Hein. Oui, c'est ça. Il nous reste une demi-heure. Hein. On peut continuer. Ouais. Le problème, c'est qu'au niveau des pistes, Alors, il y a toujours les informateurs qu'on n'est pas allé voir, hein, qu'on peut tester. Par exemple, alors du coup. Ah, tiens, si. Dédé, il avait pensé à la. Au début, il avait pensé à. Comment ça s'appelle? À l'ambassade de France. Ouais. Moi, il n'y est pas. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Vous allez chercher. Ambassade de France, 59 SO. 59 SO. Et il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, est-ce qu'il y aurait... Est-ce qu'il y aurait peut-être 22 SO? 22 SO, oui. On le teste. C'est quoi ça? C'est le criminologue, c'est le H.R. Murray, criminologue. Ah. Il analyse tous les objets et substances découverts lors des enquêtes. Ouais, allons-y. Bon, 22. Ouais, parce qu'il y a quand même cette histoire de mini-coffre, là. Tu y vas, Allegreen, 22 ouais. SO? Ouais, 22 SO. Il y a 2-3 trucs à lire, en plus. Enfin, pas beaucoup, ouais. Mais... Ouais, bah, enfin, si vous m'entendez, parce que... Mais on t'entend que quand tu lis pas, en fait. Ok. Nous amenons... les pieds sur le corps du mystérieux rouquin à Murray. Voilà. Celui-ci porte plus particulièrement son attention sur le message codé. Je me suis toujours piqué de curiosité pour les codes et autres méthodes de cryptage, Wiggins. Je parie que celui-là ne me résistera pas. Si j'essaie ceci... Tenez, je pense que nous sommes... Je m'appelle Wiggins, monsieur. Avez-vous des codes? Bon, allez. César, si. Laisse tomber. Je vais recommencer. Alors, nous amenons les pièces trouvées sur le corps du mystérieux rouquin à Murray. Celui-ci porte plus particulièrement son attention sur le message codé. Je suis toujours piqué de curiosité pour les codes et autres méthodes de cryptage. Wings, je parie que celui-là ne me résistera pas. Si j'essaye ceci, tenez, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je m'appelle Wiggins, monsieur. Qu'avez-vous découvert? Il s'agit d'un code de César. Donc ça, c'est ce que disait Allegreen au début. Un simple décalage des lettres de l'alphabet. Ici, il faut décaler de 4 lettres en arrière. Après quelques minutes de traduction, il observe le message d'un air perplexe. Un ange... Alors déjà, il n'a pas exactement la même chose que toi. Mmh. Ah si, sauf que lui, il met des trucs en... Alors attendez, parce que c'est intéressant, du coup, il y a certaines... Alors, je vais vous le lire. Hein. Un ange à arme... Un ange arme une hache... Do, Ré, que j'ai oublié. Ouais. Il prie grand, lisse, voile à York,
Ouais, bah attends, après je vais pas perdre le temps de lire cette merde parce que ça veut rien dire. Et je te dis, c'est des mots, mais ça veut rien dire. Oukali est désespéré, tant cri saura déjà lequel cherchais-tu, vizir, jaboyé, étendu. Aidez l'homme, vous auriez un clown éperdu. Pas cher, entra doc, bonne décision, fin rappel. Équipe trouvée avec une épée, la vengeance ne devra point celui qui cherche sait déjà. Cela vous évoque quelque chose, Wiggins? Ma foi, cela reste assez nébuleux. Il doit y avoir un message caché dans ce mot, quelque chose d'évident. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Pourtant, le chiffre 5 semble être la clé. Tiens, mais ça voilà, le chiffre 5. Mmh. Mmh. Donc c'est bien ça, c'est 5 lignes, 5 colonnes, toutes les 5 colonnes. Donc ça c'est cool. La date du 5 mai me le laisse fortement penser. C'est pour ça que il y avait le 5 mai. Ouais. Mmh. Laissez-moi une copie du message original, je vais continuer de travailler dessus et je vous ferai parvenir mes résultats dès que j'aurai avancé. C'est très aimable à vous, monsieur. Nous allons également chercher de notre côté. Alors du coup, ça fait changer les majuscules, cette histoire. Les ouais. lettres majuscules sont plus les mêmes. Mais... Oui, mais on se retrouve avec un R, un E, un H, un R. Si tu les décales de 5, ça fait quoi alors? Non, mais c'est les colonnes qu'il faut décaler de 5, tu sais. C'est en décalant... Non, mais... Non mais là, les, par exemple, les majuscules qu'on a tirées, si tu les décales de 5 aussi, ça donne rien. Quelle majuscule? Mais si. Mais, là... mais ça donne ce message-là, en fait. Non mais là, s'il y a un nouveau, tu fais un nouveau décodage. Tu veux les redécaler de 5? Mais vas-y, essaye. Vas-y. Ouais. Non, mais ça... C'est R, E, H, R... On peut, hein, mais le coup du 5, on le trouvait bien dans le décalage de colonne. Donc, si tu veux, pour moi, c'était bon. R, E, H, R... Il n'y a que le mint qui nous emmerde. Non, après... Des K, ouais, on se retrouve avec des lettres à la con. Hein. Un W, un H, non, ça va pas. Beaucoup de K. Min, exclu... Cops. Les mines, excusez-moi. Mint. Là, il nous aura bien coiné. Hein. Je viens de trouver comment on fait Moriarty avec, avec le code. Là. Comment tu fais Moriarty? Comment tu fais? En fait, à partir de la cinquième colonne, donc vous comptez 5 à partir du début, vous prenez la première majuscule que vous voyez. C'est M tout au bout, tout à la fin. Mm-hmm. En décalé de 5, la première majuscule que vous voyez, c'est O. En décalé de 5, c'est R. Et à tout de suite, jusqu'à Moriarty. Mm-hmm. Ah, voilà, c'est, tu vois, c'est ça que je voulais te dire. Tu vois, c'est sûr, là, c'est fini. Donc ça donne Moriarty. Ouais. Mais ça, c'est quoi, ça, Moriarty? Comment tu fais? J'ai pas... Alors, tu parles de... Oui, M, O, 1, 2, 3... Oui, tu prends la première majuscule que tu lis. Ouais. Mais pourtant, c'est un E, la première majuscule. Non, c'est un... Non, ah, c'est un M. C'est un M, cinquième colonne. En partant du bas. Ouais. Cinquième colonne. En partant du bas. Oui. Ah oui, en partant du bas. Ouais. Oui. Ouais. Okay, ouais. Ah, bravo. Ouais, ça marche. Ouais. Le compte est bon, bravo. C'est le mot le plus long. Ça nous apprend rien de plus, mais... Ça nous apprend qu'il est dans le coup. Ça vous apprend qu'il est dans donc le coup. Donc ça, c'est une autre personne qui est dans le coup, ça. Moriarty. Mais Moriarty, t'as pas lu Sherlock Holmes? C'est l'ennemi juré de Sherlock Holmes, Moriarty. Sherlock Holmes, hein. Ah, d'accord. C'est l'âme damnée de Sherlock Holmes. Le Napoléon du crime. Et qui est aussi intelligent, voire plus que Sherlock Holmes. Il aurait organisé le... Voilà. Il organise un casse avec des mecs. Et bah, ouais. Et ensuite, l'autre le tue parce qu'il est jaloux. Mais pourquoi pas? Non mais attends, il se rencontre pour faire le casse. L'autre, il lui parle de sa petite amie. Il tombe amoureux. Il va la voir. Il embarque dans son hôtel. Ouais, et l'autre, il apprend et il le bute. Ouais, mais ça me paraît que... Bon, ça mais en fait, on le tenait depuis un moment, si c'est ça. Oui. Et en fait, l'autre, il a été embauché parce qu'il est rouquin. Il a été embauché par Moriarty parce qu'il est rouquin. Pour une autre affaire, peut-être. Mais non, pour l'affaire des rouquins. Non, pour l'affaire, oui, pour l'affaire des rouquins, oui. Voilà. Ça paraît pas mal, ça.
Et c'est une histoire parallèle, comme on disait tout à l'heure. Et c'est une histoire parallèle à la Ligue des Rouquins. Donc t'es bien parti avec ton histoire de Ligue des Rouquins, en fait. Voilà. Faudrait que je relise. Moi, je les ai lus. J'étais ado. Je m'en rappelle pas. Oh, mais c'est, en plus, c'est une des meilleures histoires de Sherlock. Et en plus, quand t'étais ado, il venait de paraître. T'as vu la magie du cinéma? Bon, regarde l'effet spécial. Hop, voilà. Hop là. Bon, moi je dis qu'on va voir Sherlock. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'on tient. Ouais, je pense qu'on l'a là. On l'a et en moins de 2 heures. On a le coupable, on a le mobile, on a l'organisateur de tout le bazar. Le crime, ouais. Après, les questions à la con, on les aura pas. Non. Quoique, bon, attention, hein, le cahier, il est tout fin. On a fait beaucoup de pistes, en fait. Hein. Oui. Bon, bah, c'est quand vous voulez. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Alors là, tu lis lentement, hein, mon gars. Comment s'appelait l'homme assassiné? Alors, Donald... Ouais. Non, attends. Donald P. Attends, faut pas qu'on se fasse avoir. McDonald, il s'appelait. Ouais. Charles McDonald, il s'appelait. Charles McDonald. Ouais. Il s'appelait McDonald. Oui, c'est un écossais, donc c'est McDonald. Donald P. Charles, alias McDonald. Ouais, non, mais il a raison, Gort. Il s'appelait Donald P. Charles. Non, il s'appelait Charles McDonald, alias Donald P. Charles. Voilà. Tout le monde est d'accord ou pas? Oui. Bon. Ouais. Qui l'a tué? Roger Thunderbird. 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 Allez. Parce qu'en fait, Roger, c'est une prêtresse de Thunder. Pourquoi a-t-il été tué? Attends, vas-y, Roddy. Pourquoi a-t-il été tué? Pour le plaisir. Il faisait la meuf de Roger. Parce que. Par jalousie. Par jalousie, oui. Parce qu'il était avec la petite, là. Voilà. D'où était-il originaire? D'Écosse. De France. France. C'est un Français. C'est en Écosse et lui, il est non. Parce qu'il parle français. Attends, oui. Non, il était d'origine française, non? Et puis en plus, il parle français parce que sur la note, il mettait gauche, droite. Il est français, mais avec des ancêtres écossais. Voilà. Ouais. On peut pas savoir ce qu'ils demandent jusqu'à quelle origine. Ils nous l'ont précisé, ils ont dit qu'il était français d'origine écossaise. Okay, ils ont avec des origines écossaises. Voilà. On va loin, nous, dans l'enquête. Ah ouais, oui. Alors, deuxième série, que signifiait le message codé? Rendez-vous. Alors, rendez-vous Roger, rendez-vous Gold Roger, avec Roger. À midi. Ouais. À midi. À midi 6... Ah non, midi 6 minutes. Qu'est-ce qu'on est con. Ah, midi 6 minutes, Mint. Oui. Bravo. Gaz, sur le fil. À midi 6, à midi 6, pour devant la banque Cox. Gold, là, je sais pas quoi. Devant la banque Cox. Voilà. Un truc. D'accord. Et avec la signature de Moriarty. Ouais. Qui envoie le message? Moriarty. Quelle est la signature de la carte sur... Veillant bleu de travail. Okay. Hop. Attends, je vais vous la redire parce que là, on n'a rien entendu. Alors, qu'est-ce que tu disais? Attends, je vais essayer Quelle était l'efficacité de la casquette de surveillant bleu de travail? Quelle était la signification de la casquette de surveillant et du bleu de travail? J'en sais rien du tout. Bon, enfoiré, on a loupé une... On a loupé un truc. Bleu de travail, plein de boue. L'histoire de la signification de quoi? C'est là où j'ai travaillé. Non, c'est la signification, c'est qu'ils étaient en train de creuser un tunnel, non? Pas ça? Ouais. Ouais. C'est là, c'est Roger qui travaille. Par contre, la casquette, c'est quoi la casquette? Bah, je ne sais pas. Il a dû louper un peu. Ouais. On va dire que c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Alors. Bon bah, t'as quelle option parce que là. Alors, solution. Alors, je vais dire les solutions d'abord. Hein. Ouais. Alors, première série, comment s'appelait l'homme assassiné? Charles P. McDonald. On est bon.
On est bon. Grâce à Dédé et son histoire d'inversion, parce que ça, depuis le début, il a dit, il a dû inverser. Ouais, et j'ai un entourage qui vous a foutu une ma gueule. Mais exactement. Dédé, c'est pour ça que je précise, c'est pour ça que je précise que c'est grâce à toi. Parce que on s'est bien foutu de ta gueule, donc je préfère le dire. Alors ensuite, qui l'a tué? Roger Thornberry. Là, on est bon. Ouais. Eh, déjà, eh, on a le nom du mec et le nom du coupable. Ouais, on est bon, gars. Ouais. Ouais. Pourquoi a-t-il été tué? Par jalousie à propos de Mini Cavill. Ouais. D'où était-il originaire? Alors là, ça, ça va être beau, là. Allez, je vous laisse celui qui me le trouve, là, et je sais pas d'où ça sort, hein. De là, bah, je te l'avais dit, c'était dans l'article avec de juste quoi au-dessus, dans l'article juste au-dessus de l'article en mini cavi. Oui. Le spectacle de danse d'Australie. Et alors? Mais il allait tous les jours voir ce spectacle. Et alors? Non, mais il a un accent bizarre. C'est un hindou. Non mais attends, il allait tous les jours voir la nana. Oui. Bah, attends, pas que ça. Mais c'est son mec. Pas que ça. Non, mais c'est parce que je l'ai vu l'évolution, c'est pour ça que je le dis. Ah oui, parce que tu le sais, espèce d'enfoiré. Parce qu'en effet, le mec est originaire d'Australie, mais ça tient pas ton truc. On sait très bien pourquoi il y allait avec un bouquet de fleurs, c'était pour voir la nana. D'où ça sort qu'il est originaire d'Australie? Personne nous l'a dit ça. Il y a que là qui parle d'Australie. Alors peut-être c'est une info qu'on a loupée dans les choses qu'on nous a dites, mais on nous a parlé d'un mec d'origine. Qui avait le nom d'un maréchal français d'origine écossaise. Plus logique que ce soit soit honnêtement. Bon, de toute façon, Holmes va peut-être nous dire pourquoi l'Australie, puisqu'après. Alors, deuxième série. C'est une colonie française. Deuxième série. Oh, on n'était pas loin. C'était presque ça. Donc, que signifiait le message codé? Rendez-vous Roger Gold 6 midi Mint. Alors, c'est Mint en effet. Exclu Cox. Et ça veut dire rendez-vous avec Roger au bar du Gold à midi le 6. Le Royal Mint est exclu, la banque Cox est la cible. Ouais. Donc c'est le Royal Mint, ça devait être. C'est notre banque. Ah ouais. Allez Green, c'est de pire en pire. Hein. Là, ils ont tout branché chez toi. Netflix, Pornhub, tout y est là. Il va falloir que tu leur dises qu'ils arrêtent. Hein. Parce que là, maintenant, même tes mouvements le même marceau. Alors, et l'Australie, j'aimerais bien qu'ils nous expliquent où est-ce qu'ils l'ont trouvé. Ouais, parce que là, ouais. Donc, Mint, aussi, ouais. Alors Mint, en fait, on avait presque bon. Le Royal Mint est exclu, c'est la Bangkok. Ok, bon. On aurait cherché Mint, ouais, c'était introuvable. Alors, qui a envoyé le message codé? Le professeur Moriarty. Quelle était la signification de la casquette de surveillant et du bleu de travail? Il faisait partie du déguisement pour préparer en secret le cambriolage de la banque Cox. Bon, ouais, ça va. C'est bon. Alors, au-dessus, et ça, il va falloir que ça soit quelqu'un d'autre qui le montre parce que peut-être Allegrine, t'as le décodage, t'as le papier décodé, si tu peux le montrer à la caméra. Parce que moi, il va apparaître à l'envers normalement. Ouais, c'est où ça? Ben, moi, je l'ai, regarde. Au-dessus de la solution, je l'ai là. Oui. Donc si on peut regarder comment... Si la caméra de Gilbert Larriaga... Voilà, là on voit à peu près. Donc en fait, on était bon, c'est tous les cinq trucs. Ouais. Par contre, voilà, c'est ça, c'est les lettres en rouge, c'est ce qu'on avait vu. Toutes les cinq colonnes. Par contre, Moriarty, ils le mettent pas. Hein. C'est en bleu, il faut avoir une vision. Ouais. Ah oui, c'est... Ouais, exact. En bleu vu. Il faut voir une vision de jeune homme pour voir. Ah c'est ouais, ça. T'as raison. Moi aussi, je l'ai, mais alors dis donc, il faut avoir une vision de jeune homme. Il faut pas être daltonien. Là, donc, alors pour info, Holmes a résolu cette affaire en suivant 5 pistes. La pension de famille de Mrs. Jetley, on n'y est pas allé. Non. Au 7 sud-est. Alors comme comment quoi. Il a trouvé ça, on ne sait pas. On verra après, il va nous donner la solution. Ça doit être là qu'on apprend qu'il est australien, l'autre, j'imagine. Le Bar of Gold, Fred Porlock, la banque, Cox, Roger Thornberry. Il s'est également servi de l'article de journal suivant, Miss Minnie Cavill, son score est de 100 points. Voilà. Non, mais il y avait un article, regarde, dans le journal,
Fan et Castle, Bundy et Clyde prolongeront le spectacle avec les Fans et Castle, célèbre chant et danse d'Australie. Ouais, c'est... En fait, il a un décalage de rideau. C'est ça, c'est hallucinant. Là, c'est plus du lag, c'est un décalage horaire en fait. Dédé, tu le fais exprès ou t'écoutes vraiment pas ce qu'on te dit? C'est fou, c'est que ça. Ma connexion est mauvaise. Non, c'est hallucinant, quoi. Ouais, mais on est d'accord avec toi, il y avait ça, et Allegri nous l'a dit tout à l'heure, mais le truc, c'est que ça explique pas pourquoi le mec est australien. Ouais, mais Allegri, je comprends une mot sur toi, alors c'est pour ça. Oh, mais nous aussi, hein. Peut-être que c'est dans la pension. Alors, ouais, on va voir. On va voir ça. De toute façon, je vais vous lire la solution de Holmes. Ça fait deux pages, ça me fait chier, mais je vais vous la lire quand même. Donc, une affaire facile, dit le docteur Watson, se chauffant les mains devant la cheminée. Quel connard. À part ce satané message codé, je ne vois pas comment mettre tout ça debout. Facile par certains côtés, Watson, mais pas près d'être terminé, il me semble. Donc là, ça fait référence à Moriarty. Lestrade, dont le visage était passé de la désapprobation en écoutant la remarque de Watson à la perplexité en entendant celle de Holmes, dit « Je ne trouve rien de facile, que ce soit le satané message codé ou le reste. Si vous vouliez avoir la gentillesse de m'expliquer, monsieur Holmes, je vous en serais très reconnaissant. » « Bien sûr, inspecteur, le premier endroit où se renseigner était le 7 Long Lane, la pension de famille de Mrs. Jelly, pour essayer de connaître et de situer notre très mystérieux ami. » « Comment diable avez-vous trouvé cela ?» demanda Lestrade. « D'après le papier avec les indications de rue, inspecteur. » De toute évidence, notre homme se rendait au fumoir Simpson. Il avait un cigare de chez eux et Simpson est dans Villers. Mais son point de départ était un peu plus mystérieux. Après tout, la rue d'où on part ne fait en général pas partie de l'itinéraire. Notre homme commença son périple en tournant à gauche dans Borough High Street. Ah... C'est ça, il a commencé. Je l'avais dit, hein. C'est ça. Quoi, tu l'avais dit? Je l'avais dit qu'il avait. Mais si, qu'il commençait dans Borough High Street. Ah oui, c'en a ça d'accord. Mais non, justement, c'est ça l'astuce. C'est que l'itinéraire commence. Je tourne à gauche à Borough High Street, mais il faut commencer avant. C'est là où on s'est fait avoir. Fallait trouver. Borough High Street, mais il commence avant. Ouais, mais c'est ça, et c'est logique, parce que quand on te donne une indication, on ne te marque pas ton point de départ, tu le connais ton point de départ. Et nous, on l'a pas retrouvé, ça. Mais non, parce qu'il y avait l'hôtel Bridge House juste à côté. Et on s'est fait avoir. Ah oui, je pensais que c'était là, ouais. Donc, mais son point de départ était un peu plus mystérieux. Après tout, la rue d'où on part ne fait en général pas partie de l'itinéraire. Et oui, c'est logique. Notre homme commença son périple en tournant à gauche dans Borough High Street. Si l'on regarde... Et ça, à un moment, moi, je l'ai dit. J'ai dit, je comprends pas. En fait, on tourne pas à gauche, on tourne à droite. Tout à fait. Notre homme commença son périple en tournant à gauche dans Borough High Street. Si l'on regarde le plan, il n'y a que 4 rues à partir desquelles on peut tourner à gauche dans Borough High Street pour aller vers le sud. Pourquoi vers le sud? Pour tourner à droite dans Borough Road en venant de Borough High. Il faut qu'on aille vers le sud. Ainsi, notre homme partit soit de la gare de London Bridge, soit du numéro 7 SE. J'écartais la première hypothèse. Si l'on vient en ville pour aller chez Simpson, pourquoi s'arrêter à la gare de London Bridge? Pourquoi ne pas continuer jusqu'à Charing Cross? En faisant simplement toutes les portes du pâté de maison 7, je découvris la pension de Mrs. Jelly. Ouais. Ça, c'est le petit truc, en effet, que nous, on l'a loupé complet. Ouais. Où le seul fait de mentionner des cheveux roux suscita une réaction des plus satisfaisantes. Pour donner un nom à notre homme, nous utilisons deux principes. D'abord, on peut se fier au nom inscrit sur les affaires personnelles. Ensuite, la plupart des faux noms ne sont qu'une combinaison ou une modification du véritable nom. Son bol rasé était marqué Mac. Mrs. Jelly le connaissait comme Charlie Donald. Et un billet pour un vapeur était au nom de M.P. Charles. Gardant à l'esprit nos deux principes, je suggère qu'il s'appelait Charles P. MacDonald. Cependant, inspecteur, une communication avec les autorités australiennes pour avoir la liste de toutes les variations possibles lèverait le doute. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il était australien ? Le billet du vapeur, essentiellement. Le prix de la traversée s'élevait à 160 livres, ce qui indiquait un voyage assez long. Ça, on l'a pas trouvé, nous. Il était anglais, à n'en pas douter, mais parlait avec un accent que Mrs. Jetley ne connaissait pas. L'Australie semblait donc être le point de départ. Une visite chez Jardine, Malbesum et compagnie devait confirmer ou infirmer cette conjecture. Est-ce qu'il y est dans le livret, le billet, quelque part? Non. Non? C'est dans Mrs. Jetley qui... que j'ai eu, non. On parle. Non, c'est dans... C'est dans la pension qu'elle en parle. Ah, d'accord. Voilà. On voit pas le billet, d'accord.
Non, mais là, tu vois, autant la rue, je pense qu'on aurait pu trouver que la pension que le coup de l'Australie. Ouais, mais... on se serait fait avoir avec l'Australie, je pense aussi. Le seul nom associé à McDonald, nous l'appellerons ainsi, était celui d'une actrice de l'Elephant and Castle, Miss Minnie Cavill. Une page de programme avait été arrachée et l'on avait entouré le nom de Miss Cavill. À côté du nom, il y avait une annotation de points très belle. Et c'est vrai que si tu trouves la pension de famille, t'as toutes les infos en fait. Hein. Pour ça que c'est si difficile en fait. La mort de McDonald avait donc un rapport avec elle. La coïncidence de lieu, l'Elephant and Castle, amenait certainement à y penser. Cependant, à ce moment-là, je m'intéressais plus au stéthoscope, au bleu de travail et à la casquette de surveillant municipal, particulièrement dans la mesure où ils avaient un lien avec le message codé. Et ça, c'était dans sa chambre à lui. Parce que ça, on les a pas trouvés, nous, ces trucs-là. Ça me disait rien, moi, le bleu de travail. Ouais. Donc, oui, il nous manquait même pas. Alors, moi, il y a eu les bleus de Roger. Ouais, mais c'était pas un bleu. C'était pas, il me semble, c'était un bleu qu'elle l'avait. Si, ah bon, d'accord. Oui, l'appareil de bleu. Ouais. Bon, bah, heureusement. Donc, la casquette de surveillant, particulièrement dans la mesure où ils avaient un lien avec le message codé. Qui est un simple code de substitution, dit Wiggins, le visage rayonnant de satisfaction. La clé se trouve dans la date qui est totalement incohérente. Il fut tué le 4 mars, et pourtant le message est daté du 5 mai, soit le 5-5. Ce 5 est donc une clé. Si vous déplacez chaque lettre de l'alphabet de 5 de telle façon, par exemple, que le E, cinquième lettre de l'alphabet, devienne un A, première lettre, alors le message est décodé. Vous comprenez ? Nous l'entourons pour lire son message en clair. Donc le message, on l'a déjà lu, il est incompréhensible. Cela ne veut pas dire grand-chose, dit Watson. Une hache, un cris, une épée, dit Lestrade dubitatif. Notre homme fut certes tué avec une arme blanche. Les majuscules ont peut-être une signification. Je crains, mes amis, que la dernière ligne de votre transcription ne soit assurément celle qui en dit le plus, dit Holmes. La clé est le chiffre 5, mais le professeur Moriarty pratique le vieil adage selon lequel le meilleur endroit pour cacher quelque chose, c'est à la vue de tous. Celui qui cherche sait déjà. Ainsi, Wiggins, ce code n'est qu'un leurre, et le véritable message est inscrit sous nos yeux. Reprenez le message codé, remarquez comme les lettres sont bien ordonnées. Comptez toutes les 5 colonnes, y compris les espaces. Maintenant, lisez verticalement. Continuez de même à compter toutes les 5 colonnes et à lire verticalement. Rendez-vous au Roger, Gold, 6, Midi, Mint, Exclu, Cox. Les majuscules veulent bien dire quelque chose, du moins certaines. Chaque mot du message est suivi d'une majuscule. Lisez-les à voix haute, Wiggins. Moriarty. Mon Dieu, c'est tellement simple. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Watson s'apprête à rejoindre, à répondre à Lestrade, mais Holmes poursuit avant qu'il n'en ait le temps. Le meurtre de McDonald fut indépendant du message et de ce sinistre projet de cambriolage, et cependant il s'y rattachait. Le professeur Moriarty avait en tête un travail pour lequel il avait besoin d'un spécialiste. McDonald. Étant donné le stéthoscope, la remarque de Mrs. Jetley sur l'habileté de McDonald avec une pièce de monnaie, mes propres observations de ses mains et l'indice laissé par Porlock, un coffre-fort miniature, voilà. La spécialité de McDonald était de toute évidence le cambriolage. Eh bien, le contact entre McDonald et Moriarty se ferait par l'intermédiaire de Roger Sandberry, le Roger du message, et d'après le serveur du Bar of Gold, un expert du stylet long couteau effilé d'origine italienne. Le message indiquait que le Royal Mint était exclu et que l'alternative était la banque Cox. Lors de ma visite, je remarquais les trous creusés de l'autre côté de la rue, prétendument à l'initiative de la ville. Cela expliquait parfaitement le bleu de travail de McDonald, la casquette d'employé municipal et les bleus de Sandberry. Vous voulez dire que les travaux sont effectués par les hommes de Moriarty. Je vais les faire coffrer sur le champ. Et il y a toujours le problème du meurtre à régler. Oui, bien sûr, s'excuse Lestrade. Désolé de vous avoir interrompu. Tout à fait indépendamment de son rôle dans le cambriolage ou de son association avec Sandberry, McDonald rencontra Miss Canville par hasard. Il se rendit à l'Elephant and Castle pendant une semaine, lui acheta un bijou à Marx et compagnie. Qu'est-ce que c'est mal foutu ça. Marx et compagnie est un bijoutier et sans aucun doute l'accompagna le soir du 3 à l'hôtel Bridge House. Malheureusement, Miss Cavill avait déjà un amant très jaloux et dangereux, Roger Sandberry. L'affiche dans sa chambre avec le nom de Miss Cavill en vedette et la photographie d'une jeune femme blonde en costume de scène établissent le lien. Sandberry, s'exclame Lestrade, je vais le faire mettre sous les verrous tout de suite. Vous risquez de ne pas en avoir la possibilité, inspecteur. C'est ce que j'avais à l'esprit quand je disais que l'affaire n'est pas encore terminée. Il m'étonnerait fort que le professeur Moriarty accepte de bonne grâce que ses plans soient anéantis. Peut-être a-t-il déjà demandé des comptes à Sandberry. Ainsi, par une injustice, justice est faite. Voilà. Mmh. Bon.
Il nous manquait vraiment le coup du début, là. Ouais. Du trajet vers la pension, quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est quand même fort, parce que... avec peu d'indices, puisque on a réussi quand même à trouver. Quand même. On a fait beaucoup de pistes, hein, quand même. Oui. Bon, mine, bah écoutez... je crois que c'est la réserve d'or de Londres, d'Angleterre. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ok. Comme notre France ou un truc comme ça. C'est pas mal, donc on va s'arrêter là. On est content. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Bah, je sais pas. Moi, si je suis tuté, ça va être compliqué. Non, mais toi, c'est bizarre que ta connexion fasse ça, là. C'est quand même très bizarre. Elle faisait pas autant de problèmes avant. Non. C'est quoi la prochaine affaire? Comment elle s'appelle? Les mystères de Londres. Ah, ça, c'est cool ça, la malédiction de la momie. Non? Ça vous dit pas? Ah oui, c'est... Alors par contre, il y a intérêt à lire les journaux parce que... De quoi? Vu le nombre d'articles sur l'Égypte... C'est ça, il y a eu plein d'articles sur l'Égypte. Ouais. Il y en a un d'ailleurs dans les deux journaux. Là. Je crois qu'il y en a un dans chaque journal, quasiment. Mais bon. Il parle d'un meurtre ou je sais pas quoi, d'une malédiction. Ben ouais. Il a trouvé mort dans le tombeau d'une momie. Carnac. Voilà, ça y est, résolu. qu'est-ce que on prévoit ça peut-être et puis on verra, on se décidera. Ya. Yeah. Bon, eh ben écoutez, encore une affaire de résolu. Donc on va stopper là, si ça vous dérange pas. Sans personne. Personne. Il y a eu personne, mais c'est pas grave. Pas ma mère. Nous on s'est bien amusé. Même pas ta mère, elle est pas venue. Putain, c'est pas cool. Hein. Bon allez, bonsoir à tous. Allez, à la prochaine. Ciao. Bonne nuit.